Et bonsoir à tous. Bonsoir Capone, bonsoir Diane. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Très bien. Impeccable. Impeccable. Alors, on a du boulot ce soir, il me semble. Puisqu'on a dit qu'on allait... On a dit qu'on allait faire quoi? Oui, on a dit qu'on allait dans le marais pour... Se faire... Pour se faire des cryptes. Et voilà. Se faire du fer, oui. Et se faire du fer. Des cryptes, on va trouver du fer et on va voir tout ce qui est craft par rapport au fer. On va voir tout Nous ce qu'on peut faire. Prêt. Nous, on est déjà prêts. À mort de 11. Attends, est-ce que moi, je suis prêt là? Petit poison. Est-ce que moi, je suis prêt là? Qu'est-ce que j'ai en... J'ai 4 antipoisons. J'ai 4 traits revigorants. J'ai 50 cailloux. C'est Est-ce peut-être pas utile ça. Soupe, saucisses et confitures. J'ai pris soupe, saucisses. 7 confitures, 3 saucisses, 3 viandes normales. Ça te ça prend les saucisses, les confitures et soupe. C'est les 3 mets et... qui apportent le mieux. Là. Voilà, c'est ce que j'ai pris aussi. Alors. Où je suis le riz. Ok, hein, où là. Je suis là. D'accord. Tu prends des saucisses, confitures et soupe. Alors, des saucisses. Je fais un stack full. Ouais, prends un stack full. Oui, pourquoi pas. Fiat. Stack et soupe. Soupe, j'étais quasiment un stack. Voilà. Yes. C'est bon pour. Ah oui, dans les marais, faudrait qu'on trouve des navets. Ouais. Ça serait pas mal aussi. Bah, on. J'ai beau me balader dans les marais, j'en ai pas plus. On va voir, peut-être qu'on aura un peu plus de bol. Ah, il manque un portail. Non, il y en a plus qu'un. Non, viens voir. Oui, il s'appelle... Ah non, ça c'est maison. Ah, d'accord, il s'appelle maison. Ok. Va voir. Vous avez fait un hub. Provisoire, oui. Provisoire. Provisoire pour qu'on se donne une idée de ce qu'on va faire quand on aura la pierre. Ah. Waouh. On est où là? Avec... Ah ok, d'accord. Près de, okay. Du pont. D'accord. Eh ben, il est bien beau ce hub. On va où alors? Ici normalement. Marais. C'est ici hein. Ouais, c'est ça. Marais Est. Par contre, j'ai pas continué le pont, Capote. Ouais, c'est pas grave. J'étais tellement fatigué que. Et on arrive à l'avant-poste du marais. Voilà. Ouh. Alors. Ah oui, d'accord, c'est encore moi qui dors à côté de Xian. Vous avez compris. Ah oui, je vais pas vous parler. Bon. Nos comètes. Je suis dans les ménages. Mais... On passe la nuit peut-être. On est le matin ou on est le soir là? Le soir, vu les étoiles. Ouais, mais si on dort, on perd pas notre bonus de nourriture? Non. Ok. Là, on peut pas. Non, il faut allumer le feu. Non, c'est trop loin du feu en fait. Non, c'est pas trop loin, c'est qu'il éteint le feu. Comment ça se fait? Parce qu'il n'y a pas de bois dedans? Est-ce que ma cheminée est prête? On vérifie ma cheminée. Ah ouais, Ah, il est allumé. Ah ouais. Ah ouais. Il est allumé là. Ouais, mais pourquoi t'as fait comme ça? Ah ouais, oui. C'est original. Mais moi, il me dit quand même qu'il doit être à proximité du feu, le lit. Ah oui, de toute façon. Moi, je peux me coucher, mais rien. Mais t'en as de la chance. Moi, je peux pas. C'est bizarre. Alors, déplacer le portail, le mettre à côté et changer les lits, non? On va changer les lits de place, à la rigueur. Je ne sais pas essayer les lits. Je voulais pas salir vos draps. Il est pas possible. Moi, je peux pas... J'ai pas assez de bois. Bah, t'as pas récupéré le bois du lit? Mais pourquoi le feu il s'éteint d'ailleurs? Je comprends pas mon feu. Qu'est-ce qui se passe avec mon feu? Il s'étouffe? Non, j'ai pas apparemment de bois. Je crois qu'il y a un problème avec mon feu aussi qui s'éteint. Oui. Il n'y a pas de bois dans le coin ici? Si, il y a des arbres. Bah, t'es au bord d'une forêt, normalement. Ça me rappelle quelque chose.
Oui, ça me rappelle quelqu'un qui avait fait un commentaire sur YouTube. Mais encore. Il y a Capone qui a mis un commentaire sur l'épisode 8 là sur YouTube de à une heure et quelques, toi qui dis mais il n'y a pas du bois et c'est pas une forêt qu'on voit en arrière-plan. Ouais, faut peut-être améliorer la, faut peut-être améliorer ma cheminée, je sais pas si ouais, cheminée. J'essaye de te piquer le bois là, c'est trop loin. Attends, parce qu'il y a une brute qui arrive. Ben, je te laisse t'en occuper. Voilà, ouais. J'arrive, je viens te sauver. Ah ben voilà, il y a du bois là. Ouais, c'est donc ma cheminée qui doit être mal faite à mon avis. Le feu devait étouffer, en fait. T'as réussi à la... Ça va être mieux comme ça. Je pensais qu'il y avait un petit poids, ça passerait. Bon, je les ai mis un peu à l'arrache. Hein. Mandoli. Pardon. Côte à côte, tous les deux, au pied du feu. Bah ben ouais. Il peut pas être sous votre lit. Ou sur votre lit. Il est bien curieux, il me semble. Tiens, en parlant de champignons, je regarde toujours s'il y en a là-dedans. Bah, n'oubliez pas de réparer au cas où. Ah oui. Oh, je croyais qu'il allait sortir. Oh, c'est pas grave. Donc là, on est fait... j'ai fait un petit passage comme ça en pierre. Là. Ouais, mais je l'ai pas, j'ai pas continué. Voilà, j'étais pas motivé. Qu'est-ce que je réfléchis ? J'ai chopé des trucs inutiles, mais je les virerai le cas échéant. On va les... on m'arrête par ici. C'est loin. Attention, ou... attention dans l'eau, hein. Ne tombe pas. Là, hein. Il y a des sangsues. Ah d'accord. On est déjà dans le marais ? Oui. Là, il est juste mais regarde les arbres. On est au pied du marais, là, en fait. D'accord. Faudrait peut-être qu'on se mette un coup. Des tirs et qu'on... Vous avez déjà mangé ou... Oui. Ouais. Moi, oui. Vous voulez que je vous guide vers la première crypte ou vous voulez qu'on découvre Bon, on va quand même se diriger vers, je pense. Non. Un coup d'ectir avant ou pas? Ah ouais, tiens. Qu'est-ce qu'il le fait? Attention. J'y suis. Il y en a un qui arrive. Non, mais... Il a resté là. Ah, c'est bon. C'est bon, il a chopé. Il y a déjà des... Déjà un vogue, un rogue, ou je sais plus comment il s'appelle. Un dror. Un drogue, un dror. Des drors. Je sais pas, en anglais ils disent des drors. Moi j'arrive après la bataille. Ouh, des entrailles. Alors l'entrée du marais ici, je vous pointe la crypte la plus proche, elle est là. D'accord. Alors, juste savoir où je suis, en fait... Ah, on est là, ok. D'accord. Ah, mais c'est bien. Au-dessus du marchand, en fait. Ouais. Le bateau, il est un peu plus loin sur la côte, par là-bas. D'accord. De toute façon, on va bientôt s'en faire un nouveau de bateau. Le bateau, je l'ai laissé ici. Pas loin du marchand, en fait. D'accord. J'étais venu ici. Parce que là, on va choper du bois, je sais plus quoi, là. De l'écorce ancienne, vous pouvez en prendre. Ça, voilà. Taper avec votre hache. Je vous conseillerais d'attendre et de prendre plus du fer qu'autre chose. On en a plus besoin. Juste pour avoir le loot. Enfin, le... Okay. De toute façon, il y a un blob qui arrive. J'ai entendu. Où ça ? Là. Ah oui. Alors, ça se fait à l'arc les blobs ou bien ? Vaut mieux. Là. Oui, mais. Faudrait qu'il évite de se déplacer quand je tire dessus. Attention, ça saute. D'ailleurs, anti-poison, vous l'avez tous activé. Non. Pas encore. Ça y est, c'est activé. C'est 10 minutes, non. Je crois, c'est ça ? Ouais, un coup de hache sur l'arbre ancien, là, si vous voulez. Lequel ? Bah, n'importe lequel. Celui-là, là ? Ah oui.
le matériel. Ouh, écorce ancienne. Voilà. Je l'avais déjà. Ouais, on en avait trouvé un petit peu, mais... Attention, on s'en suit un peu partout. Hein. Bah, on te suit. Hein. Là, attention, drogue. Méchant. Squelette. Les yeux rouges, c'est quoi ça? C'est un squelette, c'est ça? Ça, c'est une étoile. Ah non. C'est moi. J'ai lancé une flèche. Non, mais c'est j'ai bon cru qu'il y avait un... Il y avait une... comme une plante par terre, mais en fait... Non. C'est quoi qui fait du bruit derrière? Grâce. Ne me dis pas que t'es en mode flippette quand même. Tiens, ici. On va essayer de le prendre. Ouais. Faire, là, le sac visqueux. Là. Avec la pioche. Tu le fais à la pioche ou tu veux que je le fasse? Non mais je regardais s'il y a... parce qu'il y a un drogue qui arrive là. Non, t'arrives en face. Ça. En face. Ah oui. On va se le faire Capone ou... Il va venir, il va venir. T'inquiète Xian, on... Bah. Pioche. C'est fini. Ah bah d'accord. Ben oui. Donne ce que t'as pioché à Leroy. Ah oui, c'est vrai. Bannière verte. Ouh, gadou, bombe puante. Et la viscosité, tu l'as donné à... Ouais. Toi aussi. J'ai viscosité et gadou. C'est par où du coup? Parce que là je suis. Par là. Vous voyez les petites lumières là? Il y a peut-être des sensuels, attention. Parce que moins longtemps possible dans l'eau. Ça c'est une crypte, la petite flamme qu'on voit en face. D'accord. Pensez bien à vous rééquiper quand vous sortez de l'eau. On n'a plus les armes. Là, il y a des charbons. Ouais, charbon. J'ai toujours pas trouvé de navet. Il y a une autre crypte un petit peu plus loin, on la voit d'ici. Là, il y a deux drawers qui arrivent. Ouais. C'est quoi ce bruit? Il y a du monde par là. Ah, j'ai pas ma clé avec. Non, mais c'est. Mais j'ai pas pris ma clé non plus, c'est le rue. Heureusement que je l'ai. Ouais. Ben, on savait que tu l'avais. Hey. C'est deux étoiles. Ça c'était l'arbre. De toute façon, ça, il faut que tu montres comment on ouvre les cryptes. Du coup, ça tombe bien que ce soit toi qui l'as fait. Y a plus personne autour. Par contre, j'ai que 67 de vie, donc de toute façon, ça n'empêche pas d'ouvrir. Ouh, clé utilisée, clé décrypte. Augmenter un peu le son du jeu. Alors, une fois qu'on est dans la crypte, ce qu'il va falloir faire attention, c'est quand on rentre, avant d'entrer dans les salles, c'est toujours prévoir le bouclier. Ouais. Parce qu'on va être obligé de casser les passages. Ah, le blob, oui. Hop, avant de rentrer, il y a des blobs surprises. Après. Vas-y, rentre. Non, je vire ce qui va pas tellement m'être utile. Crypte enfouie. C'est ça la boue? Ouais. Il y a des tas de boue là ici. C'est ça qu'on va. On va d'abord peut-être explorer au cas où qu'il y en a un derrière nous. Regarde. Pardon? Elle rouille, viens voir. Ça, ouais. Les tas de boue, c'est ce qu'on va casser, c'est là-dedans qu'on va trouver de la ferraille. Attention, ça ouvre des passages. Bon, ferraille. Ici, il y a un tas de boue. On va vérifier comme dit Xian qui est pas. Non, y a rien, y a rien. Bon, bah on commence par. Non, on va commencer par. Par où tu commences?
Je vais commencer... Si. Par là. Ah, oh, pardon, pardon. Et attention, faut pas que je gêne. Parce que la personne qui est devant puisse reculer. Ouais, je vais essayer de faire en hauteur d'abord. Ouais, voilà, le haut. Par contre, Capone, te mets pas trop près, parce que du coup, j'ai du mal à... Je vois un truc vert. Un drawer. Ah mais... S'il n'y a que lui, on va pouvoir avancer en marque. Je continue de casser alors ? Qu'est-ce que je fais ? Ouais, vas-y, casse. Au-dessus alors ? Liziane, laisse la place s'il a besoin de reculer. Parce que j'aimerais un blob qui puisse reculer. C'est ça le danger. Quand tu rentres dans les salles comme ça, tu sais jamais ce qu'il va y avoir sur les côtés. Ils sont vicieux, ils attendent sur les côtés entre quand on regarde ça. Mais apparemment, il n'y a plus là. Voilà. On fait bien casser toute la boue par contre. Oui, je veux juste. Un maximum de ferraille. On continue ? Il y a de la boue encore. Non, celle-là on peut pas apparemment. Ah oui, les repop, on les voit difficilement. Hein. Enfin, souvent regarder dans l'eau. Il y a souvent des tas de gosses. C'est bon. Attention, il y a un passage souterrain là. Il n'y a rien de l'autre côté. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien de l'autre côté. Ouais, j'avais cru voir aussi. Je vais pouvoir voir un petit morceau en passant. Ouais. Il m'a dit t'as de boue, mais... Ah, sur le mur. Ouais, ça. Ouais. Nickel. T'as beaucoup de ferraille déjà ? Elle est où ? Pas des marques. 5. Il n'y a plus rien de l'autre côté ? Non, il n'y a rien de l'autre côté. Tu peux aller voir sous le mur. Hein. C'est une salle vide. Ok, alors ici. Encore un. Voilà. Essaye de taper d'abord en haut, Xian. Si tu y arrives. Ah, hydromel qui va falloir que je reprenne. Faites gaffe à l'hydromel, moi il me reste 10 secondes donc je sais pas où vous en êtes. Ouais, 4 secondes, ouais, exact. La limite. Alors. Tu vas une zone de report ? Élite.
T'arrives à avoir un visuel ou... Il y en a un à gauche, un à gauche, et un en face. Et les deux. Il y en a un juste à gauche. Hop là. Ah, j'avais pas vu, vous avez tout viré. Pardon. Trois, deux coups, pas trois, sinon il te touche. Oui, mais on l'a touché aussi. Ah, juste là. Voilà. Voilà. Il y en a pas un au sol ? Il y a un sol. Il y en a un derrière, là. Il y avait un cadeau au sol. Ça l'est passé après. On avait un avec un arc. Ouais, quand c'est un arc, il faut éviter de le laisser dans le couloir. Ouh, comme ça, on 18 peut de ferraille, là. Comme ça, on peut le faire à plusieurs, parce que sinon, il te touche, toi. Et, tu, oui. Et comme tu pars pas tout le temps, si tu es blessé. T'as la drague de menace en face, là. Ah, wow, ouais. Trop cool. Alors, bonne masse, Pew. Os atrophié. Os atrophié. Vous avez os atrophié ? Os atrophié, non, je crois pas. Tiens. Il y en a là. Faut bien regarder dans les petits recoins aussi. Ah, c'est toi qui l'as. Ok. Ouais, je vais ramasser l'os atrophié à part de non, merci. J'ai pas ramassé. C'est Xian qui a dû, l'avoir. Ouais, ah. Os atrophié. Je vais te le repasser, je vais vous en repasser parce que là je suis full. Déjà ? Enfin, j'ai plus une case de libre. Ah oui, bah vas-y. Comment ça se fait ? Bah parce que vous m'avez passé une viscosité, deux gadous, un os atrophié. Non, j'ai de la pierre, je jette la pierre. J'ai plein de place. Tout ce voilà. Qui est pas important dans les cryptes, tu verras que tu vas tout jeter. Hein. Oui. Ben. Ça, j'ai pas besoin non plus. Il faut en mettre plein, mais. Ferraille, gadou, viscosité. Viscosité, on en a pas besoin ? Moi, je le garde. Les écorces sont. Ouais, c'est pas la peine de les garder, hein. Genre, il y en a plein à la maison. J'en avais déjà. Quoi, la viscosité ? Non, ouais, des viscosités aussi, on en a. Et c'est pour ça qu'on doit pas les. On peut toujours regarder, ça servira à ça. Il y a des crafts avec des dispositifs à faire. Ouais, de toute façon, je n'ai que 135 de poids hein, sur 450. Oui, donc moi c'était pas un problème de poids, je suis à 376 donc. Ça doit être un problème de case quand on va. Non, ça se passe pas ça. Ah, effectivement. On peut ressortir maintenant de ce côté. Les champignons ? Champignons jaunes, on les prend ou pas ? Non. Ah, si on a besoin de champignons jaunes, on peut les prendre ailleurs. On a partout les champignons. Non, c'est les champignons. Dans les cryptes normales. Dans les cavernes de trolls aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Rien. Rien ? Non. Que dalle. On va aller voir. Même pas un petit passage tout terrain. Même pas. Je trouve que c'est bon. Même un passage de l'autre côté. Les points, ça va pas marcher, je crois. J'essaie de casser les points, mais ça veut pas. T'as pas encore débloqué la compétence point d'acier ? Non, pas. J'ai l'impression qu'il y a des cris derrière. Hein. Attention, archer. Ah, t'y vas direct. Bah oui, c'est un archer. Il a fait demi-tour, j'en ai profité pour le cacher. Il
là, il n'y a plus rien. Ah. On est encore au fond. Ah oui, ici. Il y en a encore un tout petit peu, j'ai cru voir, mais c'était en hauteur. Si. Alors, Valérie, qu'est-ce qui t'intéresse pour la suite? Tu veux refaire une deuxième fois? Niveau poids. Moi, je suis à 416. Je pense qu'on pourra se repartager des trucs. Peut-être, ouais. Niveau pioche, je suis à la moitié. Il faut énormément de fer, hein, sachez-le. Ouais. Oui, je sais, mais c'est pas le problème, ça. C'est, est-ce que tu veux remonter une autre crypte ou tu veux montrer la suite? Bah, de toute façon, il va falloir qu'on ramène le fer en bateau. Ouais. Ah, c'est pas du... Ah non, mais c'est les champignons jaunes, on a dit qu'on s'en fout. Moi, j'aurais bien aimé trouver des navets, mais... Elle est où ton autre crypte? Juste pour savoir. Elle est un tout petit peu plus loin, je l'ai vu tout à l'heure. Elle est là-bas, on voit la petite lumière. Ah non, ben, je vais le noter aussi. Tout en face là-bas, c'est des... Ah bah tiens, tu peux aller voir les Sterling si tu veux. Et les Sterling, là. Si tu veux montrer les Sterling, puis après on a une autre crypte à côté. Ouais, ça se fait facilement. Ouais, ouais, où est-ce que vous êtes? Ils envoient des boules de feu, quoi, c'est tout. Ah. Mais on peut les avoir de loin, ils sont très fragiles, par contre. Par contre, il y a des squelettes. Que moi, j'aurai rapidement. Ah, il y a une sangsue. Attention, Xian, il y a une sangsue, là. Ouais, je vois rien, en fait. Moi non plus. Sterling, on peut les avoir à l'arc de loin. Mais c'est pour que tu les vois de près, quoi. C'est quoi, c'est les trucs enflammés? Ouais, ça, c'est ça. C'est ça, les Sterling. Ouais, ils sont très fragiles. Ah oui. Et très habiles aussi, très rapides. Mais ils résistent aux flèches enflammées ou bien? Non, je sais pas. J'ai toujours mes flèches en bois. Mais... Je suis assez traditionnel sur la flèche. Je me dis, je suis en train de tirer des flèches enflammées sur des trucs qui sont en feu. Ah, ça se trouve que tu leur redonnes de la vie. C'est ça. On peut se rapprocher. Hein. Ouais, parce que là, moi je tire à côté. Je regarde partout par terre, du coup pour la navette, j'en vois pas. Ah tiens, il y a une autre crypte juste là d'ailleurs. Ah, on se la note. Il y en a une encore au loin là-bas. Je la note. Ah, la première, on l'a faite, ça c'est là. Celle-là. De toute façon, il doit ouvrir parce que sinon on peut pas réentrer. Oui, non, mais attends. On rentre pas là, on la note pour l'instant. Non, mais si on veut farmer en hors stream, il faut qu'il ouvre. Ah non, vous avez vos. Bah, on en a une clé, hein. Moi c'est parce que je l'ai oublié à la maison, c'est tout. Hein. Oh, c'était pour gagner du temps. Il y a des tableaux au sol, à l'extérieur aussi, pour avoir de la ferraille.
Ah, j'ai entendu un cri. Il y a un truc comme... T'as vu, c'est un visage là sur la pierre. Ouais, je croyais que c'était un os. Il y a un visage là sur le gros rocher. Ouais, je croyais que c'était un os. Ouais. Sur le gros rocher. Ah oui. Attention, attention. Un Ouzer, attention, il va faire plusieurs blocs ça. Et puis d'ailleurs, j'ai plus ma protection poison, attention. Ah oui. Oula. Oh, il y a un squelette qui arrive derrière. Le squelette, c'est bon. Les squelettes. Ouais. Oula. Oh, bah... Ah oui, d'accord. Aïe. Je suis mort. Ouais, j'ai vu ça. Vous êtes toujours vivant ? Oui. Bah restez dans le coin, je mange un morceau et... Je vais tout, là. Restez dans le coin. Comment tu veux qu'on fasse autrement ? Ah bah, je sais pas, moi. Restez dans le coin. C'est où ? Elle est où, ma tombe ? Bon, je te prends juste la clé. Bah, je suis à la crypte. On se met dans la crypte, viens. Y a à manger ici ou pas ? Non, pas à manger ici. Ah non. Non, il faut que tu fasses un passage maison. Ouais. Je fais un passage maison. Ouais, on se réfugie, c'est ça ? Non, on attend dans la crypte, on sera plus à l'abri qu'à l'extérieur. Oui. Maison. Bien. Ça va, ça c'est fermé. Ah ! Derrière, là, il y a du monde. Ah merde ! Et au portail à la maison, il y avait un... Il y avait des yeux rouges. Faut courir. Oh bah ça va, c'était... Enfin, pas le portail à la maison, le portail au... Au hub. Bah, sinon, ce qu'on peut faire pour pouvoir après l'aider, c'est aller sur une partie solo, mettre le fer de côté, revenir et... aller l'aider, non ? Non, mais... Non, moi ce que je propose c'est de laisser le fer à l'avant-poste et puis retourner à la balle en fait. Ouais. Si t'as envie d'épargner un voyage en bateau à ton stream, on fait comme ça, sinon on fait le voyage en bateau. Oh, okay. Je sais pas. On peut se faire un voyage en bateau. C'est... Ah, okay. Je veux pas éditer le texte, je prends une soupe. On fera le voyage en bateau, alors. Pas de soucis. Allez hop. Bon, j'arrive à poil. Ah, j'aurais dû prendre une potion. Ce serait peut-être plus malin si je retournais prendre une potion aussi, non ? Alors regarde, t'attends là, je vais l'escorter. Je vais l'attendre à la maison. Ok. Non mais je vais me prendre une potion déjà anti-poison. Que je repasse le portail. Il est long là le portail. Là. Je retourne à la maison. Les potions. Non, ça c'est le. Non. Ils sont... Ah là. Non. C'est où les potions ? Ah là. Ah, j'aurais dû la bouffer tout de suite. C'est pas grave. Il va pas me falloir 10 minutes pour traverser les deux portails. Faites gaffe, il y a un bloc juste à l'entrée. D'accord. Ah là là.
Ok, j'arrive. Ouais, j'arrive à l'avant-poste pour t'escorter. Ouais. Je vais nous mettre un coup d'équitire. Ah oui, je te vois. Ah, ouais, parce que là, il y a des yeux bleus. Et bien sûr, je suis venu sans arme. Peut-être me mettre un coup d'équitire tout seul. Attends, j'ai un chaman là. Voilà. T'es où ? Reste côté maison, reste côté maison. Moi je suis en fufu. Et tu peux passer le pont ou t'as du monde de ton côté ? Bah il est juste ouais. Entre. Il est juste à côté du pont en fait. Ouais, j'arrive. Il y en a un autre derrière moi. Tu le vois ? Ouais, il y en a un qui est en train de taper sur la. Oui, c'était. Ah, bah d'accord, c'est pour ça. Attends, parce que il faut que je reprenne ma stamina, j'ai pas mal couru. Tu me dis quand t'es. Ce sont les blobs qui t'ont tué, c'est ça ? C'est ouais, le poison des blobs, même avec l'anti-poison. Ah, t'avais dû perdre pas mal de vie avant. Ouais. Vraiment... Ben, je me suis. J'avais un drawer dans le dos encore, je pense. Le sanglier, je te le laisse. Je le laisse. Parce que au point. Sous le sens sur surtout. Que se passe-t-il si tu meurs? Tu perds tout? Je. Non, je perds juste la position sur la map de mon ancienne mort. Bien plus par là, viens. Quand même, c'est... Là, j'ai regardé dans l'eau avant. Comment je prends tout ? Ouais, tu fais récupérer tout, ouvrir, récupérer tout. Les boutons en haut à droite, à gauche. Effectivement, c'est bon. Tiens, je te rends ta clé de crypte. J'ai pas la place, attends. j'ai récupéré des trucs en chemin. Voilà. Qu'est-ce qui me sert à rien là-dedans ? Bout de cuir ? Tu veux des bouts de cuir ? Des non. Cailloux ? Non, j'ai tout, j'ai tout. Bout de cuir, je peux les mettre ensemble. Je suis trop lourd ? Ah, merde. T'as de la... Mets ta ceinture, remets tes habits. Ah oui ! Oui, effectivement, c'est la ceinture. Il manque... Ah oui, voilà. Ça devrait aller mieux, ouais. Ah mais je suis à 448 sur 450. Donne-moi du fer un petit peu, j'ai du poids. C'est le fer qui est très lourd. Ah. 438. J'ai un stack plein, donc c'est peut-être un peu... Ouais, à la limite, je pourrais te laisser le prendre le reste de fer qu'on trouvera, mais... Ça va aller. Okay. Du coup, crypt. À la rigueur, on rentre, hein. On rentre. Ce qui te donne des cœurs de Sterling. Et c'est tout. Veux aller voir quoi ? On devrait rentrer, hein. Si tu voulais aller voir les Sterling qu'on a tués, ils donnent des cœurs de Sterling, c'est tout. Ah ouais, bon, on peut passer récupérer les Sterling sur les cœurs. Et salut, Exka. Bonsoir, Exka. T'as eu l'opportunité de me voir mourir, Exka, ou tu t'arrives à peine ? Cette fois, c'est pas moi. Champignons. Ah zut. Vous êtes où du coup là ? Dans la grotte. T'es où toi ? Parce que je suis dehors. Tu vas aller voir les Sterling ? On va voir les Sterling.
Ouais, comme il disait, on rentre. À ce moment-là, autant voir les Sterling. Et puis... Ah, il y en a trois, par contre, là, des Sterling. Ouais. On n'a pas tué. C'est que ça bouge vite, ces bestioles. Ouais, ils sont très rapides. Alors, Capone, t'es un tireur d'élite. J'essaye. Donc voilà, il donne du charbon et des cartes de Sterling. Ok. Et un trophée Sterling. Et hop. Et je suis encombré. Qui c'est qui veut Capone? Cœur, j'ai la place. Attention, ah mais c'est sans sujet, j'en peux. C'est bon. Tu veux récupérer son... Ok. Encore des charbons. On a toujours pas quoi de navet, hein. C'est un peu ouais. Risqué, non? Je sais pas quoi il ressemble. Ouais, mais de toute façon... Bah normalement, on devrait voir une petite plante dans le sol. Avec une... Je pense qu'il y a une fleur, un peu comme la carotte, quand même. Encore des champignons rouges là, tiens. Ah bah j'en avais chopé un tout à l'heure déjà. On va vers le bateau du coup. On fait la crypte qui est ouverte dans la messe. Moi je suis quasiment plein. Hein. Qu'à moins que vous ayez encore beaucoup de place. Allez, on descend vers le bateau. Donc c'est par là-bas. Donc le bateau, je vous montre où il est. Si vous regardez la map, et là. D'accord. Peut-être qu'on peut faire une boucle en passant légèrement sur la gauche du marais. Enfin, sur la gauche par rapport à un chemin tout droit. Par l'avant-poste, il faut passer. Pour se vider. Ah, déjà, on va pouvoir poser. Ben, si on prend le bateau, pourquoi se vider à l'avant-poste? Ouais. Non, c'est par là, c'est pour le poste vidé. Mais... Ah, il y avait un drap. Ouais, vous voyez des cryptes, il y en a pas mal. C'est pourquoi alors? Là, c'est attention, blab. Pour contourner le marais. Attention à blob. Ouais, j'ai vu. On le laisse là peut-être le blob. Surtout qu'il va se transformer en trois blobs, lui. Je dis ça. Ouais. Il a un mauvais souvenir. Ouais. On va contourner par le... Ouais, c'est... On voulait passer par l'avant-poste, Xian, c'est pour éviter d'avoir à traverser toute la partie marine. Je te suis. Si on suit la côte, le marais est très long. Hein. Je sais pas, sur la map, ça avait pas l'air plus long, par contre. Si tu suis directement, t'as vu. C'est que du marais, en fait, jusqu'en bas. Mais là, on est quasiment à la fin du marais. On est quasiment à la côte. Ouais, mais il reprend de l'autre côté le marais, non? Attends, je dis pas de bêtises. Là, je fais par rapport à ce que je vois sur la map. Non, ouais, enfin, je dis par rapport à ce que je vois sur la map. Ouais, en gros, il faut passer par le, c'est par l'avant-poste. Quoi. En gros. Parce que regarde, là, t'as encore que du marais en face. D'accord. Bah, ouais, mais ça serait peut-être l'occasion de trouver... C'est par là, hein. On peut le longer, hein, le marais, si tu veux. On peut y passer, c'est, c'était histoire de voir si on trouvait pas un navet, c'est tout. Ouais, là, on peut y passer. Il fait jour, il fait beau. Bah ouais, comme il fait jour. Oula, il y a un petit trou là.
Non, c'est des nénuphars. Il y a des Nyx, si ça vous tente. Il y a même des Nyx élites, par des super Nyx. Il y avait deux Nyx. Par contre, il y a un poisson. Je suis full. Et il y avait un Nyx qui est allé dans l'eau, mais je sais pas si... Je sais pas si t'as réussi à le récupérer, Xian. Je vois pas où il est. Bah si t'as peut-être... T'es passé à côté, donc t'as peut-être... Là. T'as peut-être récupéré deux queues. Elle est au fond de l'eau, je sais pas comment la prendre. La queue? Ah, ouais. Bah laisse tomber. Au fond de l'eau. T'es africain? Eh ouais, quand il s'assied sur les toilettes. Tu connaissais pas l'histoire du... Ah bah non, on est en stream, pardon. j'ai pas mis réparer, ce contenu... Réparer, ah, ouais. J'ai pas mis ce contenu réservé aux adultes. Effectivement, réparer... Les pierres, ça on n'a pas besoin. Non. Même le charbon. Ah, le reste. En fait, on peut mettre tout dedans et revenir le chercher après. Bah, tu veux prendre le bateau? Oui, mais. Donc, on laisse tout sauf le ferraille alors. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, tout. On peut laisser quelques trucs qui sont pas très importants. Genre des trophées, fragments d'os, trucs qu'on a déjà. Les os atrophiés, ça sert à quelque chose où je... Non, je le laisse là aussi. Les os atrophiés serviront à comment... À appeler bonne masse. Bonne masse. Ouais, donc je peux les laisser là pour l'instant. Et tu peux, oui, surtout, tu verras plus tard. Ouais. De toute façon, on va en rechoper d'autres, j'imagine. Oui. Donc là, on est dans la prairie et on passe directement au marais. Ah oui, il y a un drap. Mais où est-ce que vous êtes? Là, on est de l'autre côté. On a avancé. Il y a un petit squelette à l'arc. Il y a un blob. Pas un blob. Protection poison, protection poison, tu l'as? Ouais, c'était ma dernière. Il est juste derrière nous. J'ai oublié de faire un truc. Ça rame un peu de mon côté. Bougez pas. Quand on rentre, je vais faire des flèches. Parce que là, elle commence à... Attention, autre blob encore. Oui, il y en a un deuxième. Vous les visez dans la tête, les blobs? Elle est où la tête du cucu, je sais pas. Il faut répondre, chef. Choupette, il est où le cucu, elle est où la tête? Encore. Et un voilà, blob. Non, c'est un drop. Ah non, oui. Encore un blob. Un drop, une étoile. Au point, ça va être difficile. Attention, c'est un... Un arc. Un deuxième arc. Trop rapide pour moi. Donc c'est vers où le bateau? Pardon. Suivez-moi. Allez, pas prendre trop. Attendez, s'il vous plaît. T'as dit que t'avais plus beaucoup de flèches, garde-les pour les sangsues.
va essayer de trouver des navets aussi, c'est vrai. Bah, c'est... Ouais, c'est pas plus mal si on arrive à en choper un, quoi. Ça, on arrive à la fin du marais, déjà. Je sais même pas où vous êtes, vous avez... Il y a des fougères. Bah, t'es juste derrière nous, en fait. Bah, je vous cherche. Bah, regarde sur la minimap. Bah oui, pas trop le choix. Voilà. Ah, un drawer. Et marais. Attention, squelette, drawer. Ouais. Il y a du monde, là. Ouh, c'est un 2 étoiles. Oh, vous avez vu, il y a une table de construction ici. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire ici? Ah, il y a une sangsue dans l'eau. Qu'est-ce que t'as fait encore? Alors, regardez dans l'arbre, j'ai été chercher les viscosités. D'accord. Fais gaffe, il y a une sangsue. Hein. Ouais, mais elle m'a mordu. C'est pas grave, j'ai moins. J'étais pris pour une sangsue en voyant les. Non, où est-ce qu'on doit aller là? Moi j'ai plus d'antipoison dans 6 minutes. Faut essayer de passer là. On passe sous l'arbre. Ouais, j'ai pu passer. Ah, y a un drawer. Ben moi j'arrive pas à passer. Allez, Aël. On va faire le tour. Aël. Attends. Ça passe ou pas? Ah, non, moi j'ai fait le tour, c'est pas grave. Vous êtes où? Ah, vous êtes juste là. Il est où, Capone? Ah, il est là-bas. Ouais, je suis au bord. Elle est là-bas, d'accord. Bah oui, pourquoi pas. Elle est là. Mais on est plus... On est en forêt noire. Ouais, fini les marais. Il a fait semblant de ne même pas avoir entendu. T'as vu comment il ouais, est? Ouais, j'ai fait semblant de ne pas avoir entendu. Non mais du coup, il est où le bateau? Parce que... Ouais, ça veut dire. Pardon. Bon, ce n'est qu'un bras, t'en as un autre. Celui-là, on l'a catapulté. J'ai mis le bateau d'ailleurs. Je ne trouve plus. Attends. Ah, il est de l'autre côté. Où ça? Ah, mais c'est mal. Ah, oui, il est côté. Non, mais non, il faut avancer encore. Tu peux le pinguer? Ah, oui, je veux le ping, il est là. Où? J'ai fait tout le tour. Ah, oui, d'accord. Ouais, non, il faut contourner le petit bras d'eau ici, c'est tout. Comment ça, c'est que c'est si loin? Ah, parce que vous... c'était au marchand, en fait. Moi, j'ai parti du marchand à pied. Ah, ok, ah ouais. Ah, mais voilà, c'est bien. On se ferait pas quelqu'un qui peut nous charger un nectir? Ah ouais, là, hein, de quoi? Une charge d'ectir, non? Pour aller un peu plus vite, sur notre... Ah ouais. Pour aller plus vite. Pour pouvoir courir plus longtemps, en fait, c'est pas tellement aller plus vite. Il est là le marchand, donc le bateau il est juste un petit peu plus loin. Il est là le marchand. Attention, on est dans les plaines. Là. Je me suis fait avoir par un moustique. Attention à vous. Oh merde, t'es mort. Mais ouais. Comment est-ce que tu veux faire le tour? Tu rentres dans une zone où on n'est pas prêt. Bah oui, mais j'ai pas vu que je rentrais dans la plaine en fait. Il y avait les moustiques. Ouais, puis les moustiques ils se pointent là. J'étais passé par l'eau. Je shootais les à distance. Ouais, mais... Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait?
Comment veux, bah, tu veux récupérer ton matos? On va shooter les moustiques en attendant. Alors, le bouclier, ça sert à rien. Oui. Avec l'arc, bonne chance. En fait, il faut... Ah non, il faut se les faire à l'arc, il n'y a pas le choix. Moustique. Si, si, je vais essayer de te montrer. Tu peux essayer sans mourir? Voilà, comme ça. Comment t'as fait? Si t'as vu. Au moment où il vient sur toi, tu tapes comme si tu tapais dans le vide et il va foncer sur ta lame. Je sais pas si t'as compris. Ouais, j'ai compris le principe, mais... Essaye d'anticiper, Je suis pas sûr de la réalisation. Par contre, les gobelins, là, tu peux oublier. Parce que là, on est dans le mode gobelin. Je suis parti trop sur la gauche, j'avais traversé l'eau, moi, en fait. Et toi, tu fonces. Mais j'ai pas tu vu fais même pas attention au terrain. Non, j'ai pas vu rentrer dans une plaine. Par contre, je vais mourir, là. J'ai vu le marchand qui était juste à côté. Je lui dirai. Voilà. Bon, mort. Non, pas encore. Ah, Diane, t'es... Ouais, tu es mort. Ben oui, c'est... Oui. Moi, presque. Recule, hein, recule dans les rues. Recule. Ouais, 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 recule, c'est ce que je fais. Ça m'empêche pas de me faire piquer. Ouais, en fait, tu dois taper au moment où il va vers toi, tu tapes dans le vide. Alors pour ça, faut voir le moustique. Bon. Voilà, ce que je vais faire, je vais peut-être ramener le bateau de chez le marchand, non? Ah, je suis mort. Ouais. Et puis on va venir récupérer notre stuff vite fait. Ne bougez pas alors. Bah si, je vais bouger un peu pour aller chez le marchand avec toi. Oui, effectivement. Ouais, aïe. Tout ça c'est de la faute de Capone. Bah oui, il nous traîne directement dans les plaines quoi. Je suis remort par... T'es remort. Ouais, ne cherche pas d'excuses, on est mort par ta faute, voilà. Non mais par contre, tu sais où t'es mort ou tu sais où t'as ton stuff, Capone? Hein? Non. Comment ça, non? Il est juste au début de la plaine. Moi, oh, je me suis mis... Ouais, je suis au hub, c'est où le marchand? Aîné, marchand. Au milieu. Ouais, je crois que je... j'arrive. Par contre, j'ai pas pris à bouffer du tout, donc ça a intérêt de bien se passer. Par contre, je ne sais pas du tout où est le bateau. Attends, je vais... Moi, je sais. Ah, ça pique. C'est par là, Xian. Tu me suis? Oui. Viens à côté de moi, d'ailleurs. Marchand. Bouge pas. C'est moi où il y a un troll devant? Oh non. Ah, il y a des bleus. Essaye pas de te les faire, cours. Ouais, c'est foutu. Voilà. Quoi? T'es mort? Pas encore, mais presque. Je sais pas où tu es, j'ai couru, mais... Ah, il y a un troll. Où est-ce que tu es? Je suis... Ah, j'ai vu. Je suis... Le bateau, il est où? Dans la mer. Bon, ça me dit toujours pas où il est le bateau. Ah, je suis mort. Ouais, mais ça... Bouffé par des sangliers. Attends, je te le ping, le bateau. Je te le ping. Deux secondes. Là, il est... merde. On est où, là? Il est là, le bateau. Ici. Comment tu veux passer le troll? Comment tu veux que je passe? Ah mais le bateau il est pas là où... Ah tu l'avais bougé le bateau? Il était là le bateau. Bah il était beaucoup plus près. Je voulais pinguer là, un instant. Tu peux repinguer?
Oui, je copie. Attends, que je me mette bien en... En plus, on est dans pleine nuit. Non, il... Ah. Là. Il est là, le bateau. Ouais, je sais pas comment je vais passer, hein. Avec 6 points de vie. Attends. Bah voilà, c'est foutu. T'es mort encore ? Encore. Mais il y a plein de bleus dans le coin. T'es où, Capone ? T'es à côté de nos stuff et tout ? Ouais, attends, non. Bah non, je suis mort aussi, donc attends, je récupère. Je prends des flèches, j'arrive. Attends. Mais bah, t'as repop où ? Oui, mais fais un ping de nos cadavres, hein, parce que si tu meurs... Je repasse vite à la maison, et j'arrive. Parce que moi, je suis à l'avant-poste, là. Donc j'ai envie de dire, à la limite, on fait dodo et on y va en plein jour. Hein. Moi, perso, j'ai mis un... Moi, je me suis mis un point sur mon cadavre. Bon, voilà. Ouais, moi, j'ai mis un point à peu près à mon cadavre aussi. Xian, t'étais pas loin de mon cadavre, je pense, donc on va le retrouver. Voilà, où est-ce que je dois aller ? Dans un lit. Moi je suis... Mais non, je suis sur le bateau. T'es sur le bateau ? Oui. Donc t'es où toi, chez le marchand ? Moi, je suis à l'avant-poste. Tu peux me piquer ? J'arrive à l'avant-poste alors. Tu peux me pinguer ? Moi je suis là. Ok. Je suis en plein TP, moi j'arrive. J'arrive à l'avant-poste. Ouais, je te vois arriver. T'es en train de traverser la map très vite. Même voilà, si t'es déjà là. Y'a pas de vent ou quoi ? T'as récupéré ton stuff, Capone, déjà ? Non. J'ai pris le stuff que j'avais avant. D'accord. Moi, histoire d'être à pour protéger, j'ai pris une arme, un arc. Alors, on attend qu'il fasse jour. Ouais, mais Xian est sur le bateau, il arrive. Avec 10 points de vie. Je m'allonge. Tu viens te mettre où avec le bateau ? Alors, comment est-ce que je fais pour vous rejoindre ? Attends, parce que va droit vers la côte, droit vers le ping, et tu restes un peu à distance sur la côte s'il n'y a pas trop de vagues. Ouais, à la rigueur, tu peux te mettre là, viens là, regarde, ici. Oui, parce que là, je dois faire tout le tour, sinon. Viens ici où j'ai mis le ping. Oui, j'ai vu. Où il y a les squelettes, quoi. Voilà. Où il y a mon squelette. Ouais, ben il y a le mien ici aussi. Il y a le mien aussi. Enfin, c'est le deuxième, celui-là. Et le mien, le premier, un petit peu plus loin. Ouais, mais je t'ai pas passé par la plaine en fait. J'avais tu vas recevoir des fessées quand on rentre. Non, mais j'étais passé par l'eau. Oui, mais trouve pas d'excuses. Bah écoute. Et comment t'as pu traverser par l'eau ? Ouais, c'est vrai. Comment d'îlot en îlot ? Bah oui. Moi j'ai suivi la côte en fait. Et j'étais pas passé par. J'ai pas eu une zone de plaine. Ici, tu t'es trompé. Je sais plus où j'étais, tu vois, je montrais où j'étais passé. Bon, c'est le corps de qui, ça ? Ça, il y a le mien ici, mais il y a le mien dedans. Ouais, c'est pas le bon, tiens. Bon, reste là où t'es, dans le bateau, descends pas du bateau. On te parce que tu crois que je vais descendre ? Faut pas rêver. Justement. attends, Capone, tu peux m'étirer ? Est-ce que t'as mangé ? Non. Mais j'ai rien. Attends. On a rien. Bon, Capone, je suis à côté de ton corps. Ah bah. Ça ira mieux. Tiens. Tu veux que je te le repasse ? Vas-y. Non, vas-y, garde. Mange. C'est bon. Tu peux nous étirer ou t'as pas encore le pouvoir ? Ah oui, non, je l'ai encore de récup. 10 minutes. 14 pour moi. Donc on va éviter le marais, on va passer par l'intention. Oui, si j'arrive à ne pas tomber dans le trou. Attention parce qu'il y a une brute, je passe devant là-bas.
Il y a un chaman surtout. T'as pris de l'antipoison ou... Non. Moi j'ai trouvé des framboises. Je me mets en léger retrait. Hein. Ah. J'ai une côte là. Attends, vas-y, je remonte. Attention, recule-toi. Ah, mais vous êtes loin. J'arrive pas. Il y a un chaman qui nous embête. Ah, bah, jour 260. Il n'y a plus de chaman. Ah si, il est là-bas. Si, mais j'étais dans la côte, je perdais de la stam, je pouvais pas le taper. Voilà, c'est mieux quand même. Il y a un ingri dans l'eau là-bas. Ouais, on avance, c'est pas grave. Attends, j'ai plus de stam. Bah, à la limite, j'avance tant que j'en ai. Là, je suis pas très loin de mon stuff. A priori. J'arrive. T'es où? Je te vois plus du coup. Ah si, ouais, t'es par là. Je cherche ma pierre tombale. Là. Non. Là où moi je suis, c'est la pierre tombale merci. De Capone. Ouais, mais c'est pas la bonne. Ah, faut que je fasse un choix. Tu. Non, ça devrait aller. Ça aussi. Bah, prends déjà ce que tu peux, tu viens sur le bateau, tu déposes et puis tu retournes. Non mais c'est bon, j'ai pu tout prendre. Capone, pour récupérer ton stuff à toi qui est dans la prairie. À côté du bateau. Non, ouais, mais... c'est... Ah, je suis trop lourd. Je vais dropper ce qui ne sert à rien. On va aller au bateau déjà. Ah, j'ai pas équipé. Je suis pas trop lourd, j'ai juste pas équipé parce que je suis pas malin. Et t'as même de quoi le réparer normalement le bateau ici. Parce que je m'étais posé ici. Là, ça c'est ma deuxième tombe où il n'y a rien dedans. Voilà. T'as un coffre là dans la petite balle. Bon, qu'est-ce que je fais? Je viens ou vous... Approche un peu, ouais. Pourquoi j'ai des cailloux? Top. Je vais essayer de me rapprocher de mon stuff. Ben, je peux pas faire mieux, le vent me pousse donc. Et tout le monde va prendre le pas de risque pour rien. Pourquoi tu montes pas? Et je vais essayer de me rapprocher de mon stuff. Après. Ah, je parle de elle. En fait, il faudrait que tu fasses demi-tour. Que tu me présentes l'autre côté. Je sais pas sauter. C'est trop loin pour que je saute. Et là? Comme tu peux le constater, c'est un peu loin pour que je saute. Ah, essaie ? Là ? Avant que... Marche arrière. Tu sais que tu peux faire marche arrière ? Oui. C'est pas une voiture, hein. Il faut le tank... Oh, c'est comme une voiture, mais en... C'est comme un Spearmorque. Vas-y. Voilà. Alors, stockage. Dans le stockage, je vais mettre le fer, déjà. Je vois une autre tombe, là-bas. Personne n'a oublié quelque chose. Mais moi ? Ah, c'est ta tombe, d'accord. Je la vois à côté des rouges. Mais avec 6 points de vie, voilà. Attends, bouge pas. Ben, je suis assis.
Ah, des saucisses. Bouge pas. Tu te répètes. Ah merde, tu peux m'en envoyer, j'ai envoyé le stack complet. Hop hop hop, tu vas où? Tu vas où? Quoi? Non. Ah, et tu vas où? Eh, t'es dans la... Arrête. T'es en train de reculer, sors du bateau. J'ai vu. Mais de quoi? Le... Ne panique pas comme ça. Ah, comment tu paniques? Bah oui, t'es en train de tout casser le bateau. Ah bah, je t'ai tout donné, flûte. Attends, arrête. Voilà. Le... Récupère. Plus bouger, de toute façon. Ouais, mais va récupérer ton stuff. Moi, je vais tenter de. Tu m'as tout donné, t'as dit? J'ai rien reçu. J'ai tout jeté. Ah, si, ils sont là. Ah! T'as mangé ou pas? Diane? Hop. Ouais. Mais t'as mangé ou pas? Tartes. Tu peux me redonner les tartes? Les tartes, tu veux dire la. Ça? Non, les soupes, pardon, ouais. Bon, il est bloqué. Deux moustiques à l'arc. Il est bloqué. Je vois plus d'autres moustiques, je crois que je vais pouvoir extraire mon stuff. J'en ai tué deux à l'arc. La soupe. Hein? Tu as la soupe? Je te l'ai passé. La soupe. Je te l'ai passé la soupe, Xian. Non, je l'ai lancé, mais apparemment tu l'as pas looté. Non, mais je t'en ai passé la moitié, c'est bon, y a pas besoin. Ok. J'ai pas vu. Bon. Bon. Tu peux comment... peut-être m'escorter parce que là. Ouais. Mais j'ai rien. Attends. Pour me défendre, même les cochons. Ouais, j'arrive. Je suis là. Non, mais. Attends-moi, je suis là. Ils sont où les cochons qui te font peur? Bah, j'ai donné un coup de boule. Ah. Il est où ton stuff? Mon ping. Ok. Ton stuff, voilà. Attends, je vais à côté de ton stuff, bouge pas. Je suis avec elle. Elle rue. J'escorte. Attention. Voilà. Il est juste à côté du rocher, ton stuff. Ouais. Tu le vois? Bah oui, c'est mon stuff. C'est bon. Mais avec les moustiques que vous avez tués, vous avez pas récupéré des trucs intéressants au moins? C'est pas, attends, je vais aller voir. Sûrement des dards, j'ai looté. Ouais. On peut faire des flèches intéressantes, il me semble. Avec. Ouais, mais ça, je vais te les donner quand on quittera le coin, mais on attend Capone, hein, encore une fois. Je suis là, je suis au bord de l'eau. Hein. À votre droite là. Bon, moi je retourne au bateau parce qu'il y a quelqu'un qui l'a échoué. Je vais pas donner de nom, mais il y a quelqu'un qui l'a échoué. Il va falloir le pousser depuis l'extérieur, je pense. Attends, parce que je laisse beaucoup de trucs dans mon stuff, mais je regarde si j'ai pas si c'est des trucs intéressants, importants. Fais gaffe que, en fait, généralement, les trucs ne se stackent pas tout seul. Ah oui. Ouais, si, ouais, c'est bon. Ça, je m'en fous. Des champignons, ils s'en foutent. Ouais, la rigueur, je garde ça. Et puis tout le reste, bah, ça restera dans le stock. Alors, Xian, t'es tout nu. Je préfère te prévenir en tant que Capone est là, parce que s'il revient et qu'il nous voit tous les deux avec toi tout nu, il va encore nous dire des trucs. Mais pourquoi tu le dis ouvertement? Ah, il a entendu, bon. Une petite rabie, toi. Tu veux que je prenne la barre ou ça va aller? Non. Bah oui, mais c'est toi qui m'as en fait distrait tout à l'heure. On dit mais qu'est-ce que tu veux que tu veux? Tu m'as en fait mais de quoi il parle? Tu m'as distrait tout à l'heure avec. Je t'ai dit qu'est-ce que tu fais parce que t'étais en train de te monter sur le banc de sable. Non mais tu m'as troublé à un moment donné. C'est pas la première fois que je te trouble, Xian. Ok, d'accord. Bon, je monte sur le bateau avec vous. Bah oui, on t'attend. Allez, en route pour l'aventure. Donc on va où? Bâbord, léger. Je sais pas c'est quoi le bâbord. Bâbord c'est gauche. En fait c'est comme la deuxième lettre du mot. Gauche,
ça commence, c'est un A en deuxième lettre comme bâbord. Droite, c'est un R en deuxième lettre comme tribord. Et voilà, et petit ensuite... cours de navigation pour tout le monde. Ben, je me disais que si on passait par là en mode... par là... Enfin, qu'on revienne à notre île en l'allongeant par l'autre côté, quoi. Histoire de... Oula, non, c'est pardon, c'était... Va dans cette direction-là. Oui, oui. Qu'est-ce que tu crois que je fais? Ah, non, pas dans cette direction-là, il y a un serpent. Non, mais il faut savoir. Mais vous êtes là pour le taper. Oui, si on le voit. Le ben serpent oui, aussi, il est là pour nous taper. Oh, ça y est, je vais prendre cette imitation. Donc, il faut rentrer, c'est ça? Bah, c'est le but, je pense, maintenant. Alors, qu'on a dû faire. Est-ce que... Il va falloir il le fondre. Vous le voyez? Vous le voyez? Non, pas du tout. Il est là. Enfin, gauche, là. Il est là. Ah ouais. Alors, a priori, il est pas vraiment là où je vise. Ah! Satané voile! On remonte la voile, on voit rien là. Ouais, mais si il remonte la voile, on peut plus aller. Ouais, mais un petit peu quoi. Il est parti là. Pour l'instant. Donc il faut aller. Par là. Bon, c'était une bonne aventure ça. On a découvert la peau. Vise c'est plutôt bien. Par là, comme ça on remonte en longeant la côte, non? Tu t'en penses? Quoique, non, ça sera plus compliqué avec le vent, t'as raison, par là. Ah, il revient. D'avoir découvert la plaine. Comment te dire? Ah, c'est une bonne aventure. Ah, est mort. Eh, va vers le serpent, va à gauche. Pleine gauche, vers le serpent. J'ai plus de place moi. Bah moi j'ai de la place. Mais tu peux mettre ton fer dans le bateau hein. Moi aussi remarque, j'ai une hache en silex que j'ai pas la merde. Je sais pas ce que je faisais. Zian. Oui. T'arrives à tourner? Mais qu'est-ce que tu crois que je fais là? Bah je sais pas, j'ai l'impression qu'on bouge pas en fait. Ah mais on est en contre-le-vent, c'est pour ça. Vas-y. On va essayer de choper la viande de serpent quand même. J'ai on l'a tué, on va au moins le manger. Ah, je le vois. Tournez tout très légèrement à droite. Ouais, c'est parfait. Tout droit. Tout droit. Mais je le vois, tu sais. Ah bon, pardon. Mais non, mais saute pas! Mais qu'est-ce? Si. Mais t'es fou ici, j'avance comme un malade! Complètement fou! Ah, mon inventaire est plein! Voilà. Allez, je me casse. Mm-hmm. Bah, casse-toi, c'est vrai hein. Que si vous mourrez. Ouais, mais si vous mourrez là, c'est fini pour le. Attends. Hein, Capone? Du coup, tribord! À tribord tout. En fait, mets-toi dans le sens du vent, je pense. Là, t'es bien. Si tu te mets le vent dans le dos. Parce qu'on va par là. Entre là et là. Voilà. Viens de deux serpents. On fait 10 kilos de morceaux. Hein. Tiens bon, la barre et tiens bon, le vent hissé haut. On peut virer lui sur le jeu.
île. Ça ? Un îlot. Un îlot de marais. Il va certainement falloir le contourner un peu par la droite, peut-être. Voilà. Et à gauche, il y a de la montagne. Hein. Solide montagne. Montagne par là. Par contre, là, va un peu plus sur la gauche. J'ai l'impression qu'il y a des rochers. Légèrement, parce que ouais, il y a des rochers. Je vois. Je... Et puis là, on est dans des fonds. La marée, il y a de la mer. Je dois pouvoir mettre pleine voile là. Non ? Tant qu'on évite les récifs. Alors ce mouru là je peux l'enlever, ce mouru là je peux l'enlever. Ça c'est la montagne qu'on voyait. Ça c'est la maison à gauche. Enfin à gauche. Légèrement à gauche devant. C'est une autre montagne. La montagne c'est avant la plaine ou c'est après la plaine? C'est avant non? La plaine c'est le plus dur. La plaine c'est après la montagne je crois. Ouais. On n'est pas du tout prêt pour la plaine. Peut-être que la montagne. La montagne. Ça vous gagne. On doit d'abord avoir le fer avant. Bah, on a du fer là. Ouais, on va pouvoir se faire une dizaine de lingots là, on est content. Je veux dire avoir le matériel en fer. Ah, ah oui, bah attends. Eh, on va farmer. Attends, là j'ai. Il y a 30 de ferraille. J'en ai 900 là. Ça fait pas 39 lingots ça? Non. Ah. C'est fâcheux. Enfin, tu verras. Tu le découvriras. Si, ah ouais, on va pouvoir se faire quelque chose. Je dis, sinon il y a des forums où ils recrutent, on peut recruter des farmers chez nous. Des haches. On peut faire les haches. Ah, notre bonne île. Je la reconnais, notre île. Ah, ça fait plaisir de te revoir. En plus, le vent est avec nous. Ça faisait un moment qu'on n'était pas rentré au port. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit, ça faisait un moment qu'on n'était pas rentré au port. Ouais, hein.
Bah, depuis qu'on était parti chercher l'aîné, en fait. C'est ça. Parfait. Hey, mais t'as pas vu tout à l'heure, Eloï, aussi j'ai rajouté une muraille entre le château et le tonnerre. Ah bon? Parce qu'il y avait des potes, enfin il y avait pas. Je me suis fait attaquer deux fois par deux trolls. D'accord. Une attaque de trolls et une fois par une attaque du marais. Et ils popaient très proche de l'atelier. Donc j'ai rajouté un nid. Ok. Et mis des ateliers un petit peu partout pour éviter qu'ils popent à l'intérieur de l'enceinte. D'accord. Pour ça, si tu te balades à l'intérieur de l'enceinte, tu vas voir qu'il y a des petits ateliers un peu partout. Normalement, ça évite les portes. Oui, c'est ce que j'avais lu aussi. Et ils devraient pas en dehors de l'enceinte. Et ouais, à un moment, j'ai eu le message « La Terre tremble ». Et c'était les trolls. Deux trolls à la sortie de l'atelier. Merci capitaine. Voilà, merci capitaine. J'en ai profité pour réparer. Alors. Direction une fournaise. Tu n'oublies pas, à moins que tu aies plein. Que j'ai. Ah mince, oui, je suis plein. Et effectivement, j'oublie. On va aller faire dodo. Ouais, si le bateau veut s'arrêter. Il faut que tu. Tu veux que je l'arrête ? Ben non, parce qu'il y a, en fait, c'est surtout qu'il y a eu un lag. Je pouvais rien faire, je pouvais rien interagir. Peut-être la faute du lag. Marche avant et puis c'est bon. Non, mais tu fais une marche arrière. En fait, quand tu es à bonne position, tu sors, tu fais E pour sortir et ça l'arrête. Ça va ? Oui, non, c'est pas grave. Alors là, t'as pas beaucoup de voiles pour avancer. Là, t'as beaucoup de voiles. Ouais, mais ça bouge pas. Est-ce que t'es bien dans le vent ? Est-ce que tu es un garçon dans le vent ? Là, t'es dans le vent. Un petit coup de marche arrière si tu veux vraiment être parfait. Recoule, recoule, recoule. Là et maintenant fais E. Fais un coup de E, E. Fais E. Voilà. Si tu avances et te recoules, comment veux-tu ? Peut-être en faisant E, tu le. Oui, il y a encore dans les caisses. Qu'est-ce qui me sert à rien ? Bon, allez, je mets dans le four. Attendez, je vous attends pour faire dodo. Hein. On va voir ça quand il fera plein jour. Non ? Ok. On va les mettre à fondre tout de suite. Ouais, normalement, il y a du charbon dans les deux fours. Ils sont prêts, les deux fours. Ok, mais je vais faire. Ah ! Je suis tombé dans l'eau. Les deux fours sont blindés en charbon. Ils attendent que le fer après. Non mais. Oh ! Alors il est possible que je meure noyé. Voilà. J'arrivais plus à sauter du bateau jusqu'à la rive. T'as dit que les deux fours étaient. Ils sont blindés en charbon, il n'y a plus qu'à mettre le fer, mais on va faire dodo avant. Bah si on met le fer, il sera fini quand on aura fait dodo. Ouais. Enfin, je dis ça. Si tu veux, allez. Histoire de gagner du temps. Et il y a du charbon d'avance dans le monde, j'ai fait aussi. Ouais, il y a un paquet de charbon d'avance. Est-ce qu'ils sont.
20 sur 20, donc. J'ai des trucs à poser tant que je suis là, les trucs qui se vendent au marché. On va jamais pouvoir dormir. Ah oh Ambre. Là, on est sur la 4. Les cœurs de Starling, c'est... j'en ai deux sur moi. Après, c'est de la bouffe. Gadou, vous les avez rangés où? À ta gauche. À gauche? Là, à ta droite, pardon. Ah. Gadou. Gadou. Si tu regardes, oui. Si tu c'était regardes, l'autre gauche. Ouais, voilà, c'était l'autre gauche. Exactement. Le reste, ça va dans la baraque. Ah non, il y a les bouts de cuir, ils sont là. Et le reste, c'est des trophées, non, des fragments d'os. Là, fragments d'os, ici, en face, non. Oh, mais ça fait gling gling à côté. On a déjà le délingot. Yes. Ouh, les belles recettes. Manu, tiens, viens dormir, qu'on puisse regarder tout ça en ce moment. Je les pose où? C'est pas là. Mais avec le charbon pour l'instant. Non, pas là, pas là, pas là, pas là, pas là. Interdit, là. Non. D'accord. Mets-le avec le charbon. On les récupérera après, c'est pas grave. Tu fais ranger du fer avec le charbon, quoi. Oui, mais pour l'instant, c'est très bien. D'accord, d'accord, monsieur. On voit ça quand il fera jour. Oh, les ruches sont pleines encore. Tout à l'heure, je les avais vidées. Ouais, mais je crois que Zian les a vidées aussi. Hein. Ça produit à une vitesse. Eh, hey, Zian arrête de ronfler. Il a changé de lit. Ouais, il est entre ouais, toi et moi. Long. Il se met entre nous deux. Il a envie d'avoir chaud. Exactement. Ça va, Xian? Neutralité. Bien neutralité. Neutralité. Neutralité, ouais, neutralité. Alors, ces nouvelles recettes. Ah. Vas-y, va prendre un lingot de fer dans le truc à charbon, Xian. Tout au fond, là-bas. Oula, voilà. Vous venez pas là. Alors, armure d'écaille de fer, jambière de plaque de fer. Ah ouais, 20 de fer pour l'armure en écaille d'écaille de fer, 20 de fer pour les jambières en plaque de fer. Pouah. Pioche en fer, 20 de fer. Va pas, bouclier bandé, 8 de fer. Va pas dans le fer, n'y va pas. Xian. Sans Xian. Oui. Ne va pas dans le fer. Ne va pas dans le coffre de fer. Parce que on te dit de pas aller dans le coffre de fer. Coffre de fer, mais je vais pas dans le fer. Je suis dans le cuivre. D'accord. Le cuir. Épée en fer, 20 de fer. Pouah, ça coûte une blinde. Et il y avait quoi du coup aussi? Ah oui, meubles. Fabrication. Enclume de forgeron pour la table de fabrication. Une enclume. Ça, on aura besoin. L'enclume, tailleur de pierre. Non, il faut que deux de fer pour le tailleur de pierre. Oui, c'est ça. C'est une table. C'est un établi. Donc, tu me dis quand tu veux. Après. Quand je veux quoi? Bah quand tu veux. Râtelier de forge. 15 de fer. Je veux quoi? Je veux tout. Pourquoi je peux plus avancer? Ouh! Eh, c'est Noël! Diane, c'est Noël! Merci, Diane, Papa Noël! T'as de la place dans ton inventaire, Diane? Non, je suis plein là. Bah, vide, toi! Fais-toi de la place. Fais de la place. Parce que tu crois que je suis occupé à faire, pourquoi je mets dans le. Est-ce que t'as des cases de libre? Maintenant, non, pas encore. Pas tout. Alors.
toi, t'es 115, 55, 10, 20. Si je t'améliore, tu seras bon. Si. Ouais. Tu, bah, tu peux montrer après. Tiens, tu bouges plus, Xian. Tiens. Ouais, vas-y. Ça. Est-ce que tu. Tiens, tout ça, est-ce c'est que pour tiens pour les aiguilles, où est-ce qu'on les met? Attends, il vient de lui remplir l'inventaire de choses, il regarde même pas. Oui, je sais ce que c'est. Donc, tu dis même pas merci au Papa Noël. Merci. Bon, je vais mettre la mienne maintenant, du coup. Ouais, du coup, je vais aussi ranger la bronze. Ah, excuse-moi, j'avais pas vu que t'étais tout nu. Bah. Ah, maintenant, ils se font des cachotteries tous les deux. Ça m'aura pas servi longtemps, le bronze. Hein. Ah, je croyais que les cachots. Je croyais que t'allais dire ça m'aura pas servi longtemps mes cachoteries. Le bouclier, il me semble que j'avais lu qu'il était pas hyper intéressant par rapport au bronze. Comment il nie améliorer, c'est. Il faut améliorer. Là, je vois, je l'ai à 65 au niveau 1 et le bronze niveau 3, il est à 60. Il est à 55. 55, ouais. Qu'est-ce que je cherchais à faire? C'est ma carte en cœur, moi, il me manque un bouclier. Je pourrais faire. Non, ouais, viens voir, attends, parce que. Attends, c'est pas fini, Xian. Restez dans l'atelier. Venez voir. Moi, je suis pas dans l'atelier, mais je pose de la viande crue. Ouais. Alors, H, ça, plus besoin. Bon, les aiguilles, vu que je sais toujours pas, je mets ça là. La viande de serpent, faudra la stocker. On peut faire des. Normalement, on pourra faire des. Dans le chaudron avec. Je prends la clé avec, au cas où. Trophée. Ouais. Il avait classe la tenue en fer. Hein. Ça fait plus joli que le bon. Quoi, hein. Plus on a plus de protection aussi. Ah bah 55, hein, ça me dit. Hein. 45. Ah oui, pardon, j'ai un petit peu amélioré la mienne. Je suis à 53. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas encore le bouclier. Et là, vous avez ici, maintenant, vous pouvez regarder dans le coffre de fer. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Pour faire vos armes, pour faire vos améliorations, tout ce qu'il faut. C'est à vous de choisir maintenant vos armes, etc. Ce que vous avez besoin. J'ai fait juste piocher H, que vous puissiez choisir après ce que vous avez envie de faire. Bah déjà, moi je vais upgrader mon armure, je pense. Ouais, moi c'est ce que je ferai aussi. Bah, faites-vous plaisir. Et je dois aller voir où? Dans le coffre-fer, maintenant t'as le droit d'y aller dans le coffre-fer. Pour voir les. Mais j'avais déjà vu donc. Alors le casque, rien, level en fait. 3. Ah, t'es un tricheur. Moi, par non. Coup... Je me suis simplement renseigné avant le stream. Eh, t'es tout nu! Eh oui, parce que je viens d'upgrader. Ouais. Moi aussi d'ailleurs. Pas obligé de le dire à tout le monde. Hein. Non mais c'est j'y ai parlé. C'est un réflexe. Oui voilà, c'est un réflexe. Ça c'est l'équivalent de tout ce qui a été crafté, plus ce qu'il y a dans le coffre, c'est l'équivalent de 7 scripts seulement. 7 scripts? Ah ouais. 7 scripts, ouais. Que? J'aime bien le que. Bah oui, c'est pas énorme. Hein. T'as vu tout le fer que ça fait? Alors, le boubou. Je pensais pas que j'aurais autant de fer en seulement 7 trucs.
L'écu en fer. Ah, c'est un écu. Ah oui. Des fois, dans un coffre, tu vas avoir 30 fers d'un coup. Vous avez un peu de bois sur vous? Il y en a là. Oui, mais il est loin. J'y suis. Tu peux atteindre l'atelier par l'autre côté. Massue. Pioche. L'épée en fer, voilà. Ouais, du coup, bah, moi aussi, du j'ai bois même... et du cuivre. Moi, ce que je vais faire, c'est améliorer les... J'allais améliorer l'atelier, là. Enfin, la forge. Ah bah vas-y, alors vas-y, nickel. J'ai pris ce qu'il faut. Enclume de forgeron. Si j'ai la place, de la placer. Oui, entre deux. Dit... Non mais... Là, entre les deux, il n'y a pas la place. Tu peux la mettre de l'autre côté ou on décale ça? Ah, il faut étoile 4. Tu veux que je décale ça? Ouais, ça serait plus logique si on le décale un petit peu, ça. C'était... Eh bien, t'as vachement farmé. Hein. Ouais, bah ouais. Et là, normalement... Voilà. Si je peux mettre ça là... Attends, bah, j'ai retiré ça, du coup. Voilà. Et je suis mort qu'une fois, tout seul. Ah ouais. Donc en gros, c'est nous qui te portons malheur, c'est ça? Ouais, c'est sûrement ça, ouais. Ah, je sais pas si c'est ça, mais j'ai... C'est sûrement ça. C'est parce que j'avais oublié de manger. Non, mais c'est... Il l'a bien précisé. Hein. Je suis mort qu'une fois. Pas, c'est que la plaine... La plaine, j'ai été surpris tout à l'heure, j'ai pas vu que je rentrais dans la plaine. Ouais. C'est quand j'ai entendu les moustiques, j'ai fait merde. Ah, alors, 57. Ah, on peut faire les clous en fer, ça va nous débloquer des trucs, ça. T'en as fait déjà ou pas? Non. Il faut 20 fer, 5 pots de serre. Je fais des clous en fer pour débloquer les recettes. Trône corvidé et dracard. Voilà, on peut faire le dracard avec les clous en fer. J'ai même été refarmer des pots de serre parce qu'il n'y en avait pas assez pour les améliorations. Ah là, le pied, là, c'est bon. Cuir. Ah, en tout cas, le fer, il va y passer. Hein. Ah bah là, ouais. On a déjà pris tous les lingots. Ah non, mais attends, j'en ai 25 sur moi. Faire quoi pour passer la lâche en niveau 3? Il faut 20 de fer. Ah, charbon. Charbon. Il y a 57 en armure. Ah, t'as remis du charbon, Xian? Oui. J'étais parti le faire. Attends, bougez pas. Bon bah, pardon. Il me faudrait 20 fer encore, 20. Ah ou pas. Je suis pas à fondre. Il reste plus de lingots. Bouge pas. Eh non, mais pas, mais non, non. Hop. Tu lui passeras à Xian. Bon, le bouclier. Grand draca. Ah yes. Le bouclier, pas. Je sais pas si. Bouge pas Xian. Moi je pense que je vais pas faire le bouclier. Je vais me contenter de. Ouais, mais c'est un écu, donc c'est un grand, donc c'est vrai qu'il est idéal pour. Je vais plutôt garder mon bronze. Vivement l'autre bouclier. Oh, moi j'aime bien le bouclier bombé, moi. Il est bien. Mais alors, j'ai pas celui-là. J'en avais fait un d'avance, ce bouclier. Ah mince, je l'ai pas ramené. Si, je l'avais vu là-haut, je crois. Non? Je sais pas. Parce que moi je l'ai fait en bleu le mien et j'en avais fait un sans décoration. Qu'est-ce que je fais avec des clous moi? Donc, je laisse les on te les a passés pour que tu puisses découvrir le dracard. Ouais, ouais, on a bouffé tout le fer. Ouais, mais bon, j'avais déjà. Ah, bah tu peux les ranger avec les clous. On le fabrique? Le dracard, je sais... Attends, qu'est-ce qu'il faut? Dire ça.
Construction. Oh, on peut faire un portail en fer. Ah oui, il faut faire le tailleur de pierre là. Ah oui. Divers. C'est la priorité, ouais. Carve. Enfin, Dracar. Tailleur de pierre, c'est 10 pots de serre, 10 bois précieux, 40 écorces anciennes. 100 clous de fer. 100 clous de fer pour faire un dracar. Tu fais combien de clous par. Tu les fais par 10, mais un lingot, 10 clous, donc il faut 10 lingots. On avait dit qu'on faisait le truc de. Ça, je peux plus. J'aimerais bien améliorer. Il faut 15 fers pour améliorer mon casque. Moi, j'attends que ça fonde. J'ai encore besoin de 35 fers en fait. 43 de lingots, il faut. On n'aura pas assez, tu vois. Je pensais vraiment qu'on aurait assez pour tout. Bon, on a. Ben non. C'est bon. Et faut attendre que le reste fonde. Hein. Un deuxième de fer, 4 pierres, 10 de bois. Mais non, on a toujours pas la recette des chaînes. Les chaînes, on les trouve, on les. Oui, je sais, mais on peut pas les fabriquer. Je sais pas, il y en a 17 là. J'en ai ramené 17 déjà. Ah bah avec ça, on peut fabriquer le. Ils sont où on les chaînes les, la quatrième ou la cinquième étoile. Chaîne. Au-dessus de viscosité. Allô. Oui. Ouais. Soufflet de forge, brasier, ouais. On peut avoir pour faire niveau 5. Et déjà, il faut qu'on fasse le tailleur de pierre. Je suis en train de m'en occuper. Regarde le coffre os atrophié qu'il y a là. Tu vas voir que c'était pas urgent à ramener. Ici, j'ai plein. 53, c'est pas mal. Hein. Ah ouais. Ils sont où les cailloux? Pierre. C'est là où il y a marqué pierre. Ouais, c'est ça. C'est logique au final. Donc tu vas faire un atelier de pierre? Ouais, bah je pense. Ouais, mais. Hein? Oui. Si tu veux. De toute façon, il faut le faire où on craft, je pense. Ouais. Je pensais le mettre. Je pensais le mettre en face des autres de ce côté-là parce qu'il n'y a plus tellement de place. C'est pour le découvrir et de développer des plans. Hein. Ouais, pour le découvrir. Par exemple, les routes. Vous n'avez pas encore les routes, je suppose. Voilà. Nouvel établi tailleur de pierre, nouvelle recette. Mur en pierre. Bien le foyer, ça. Escalier de pierre, ceux de pierre. Ah, ouais. C'est très bon, ça, c'est très bon. Ouais. Je vois déjà Capone. Alors la roue aiguisée, ça sert à quoi? Fabrique-la. Je peux fabriquer une meule. Ouais, c'est pour améliorer encore des établis, ça. Oui, mais aussi, c'est surtout... plus tard, on pourra... Non, rien. Non, rien. Vous découvrirez. C'est pour améliorer un établi, je crois, la meule. Ouais. Juste du bois, je vais le faire. De la pierre. Pour faire la meule, non, il faut juste du bois. D'accord. Et ça ici? Et ça ici? La roue à aiguiser. Oui, je l'ai faite. Ok. Vous avez combien d'armure du coup là? 53. Okay. Pour l'instant. Quand vous aurez amélioré au niveau 3, casque niveau 4, je suis à 59. Ça m'en dit, toi. Attends, j'ai pas compris. Ah oui, c'est pour améliorer la forge. La forge est niveau 5. Ouais, bien joué. Moi, je suis 57. J'ai tout mis en level 3. Ben, j'attends que ça fonde. Du charbon. Si on met du charbon, ça fond mieux, je crois. Ah bon? Eh, ça bloque ici. Hein. Il n'y a pas besoin d'y passer sur le côté. Hein. Je le mets d'ici. Hein. On n'avait pas viré la
pourquoi il y a un truc de charbon qui a réapparu là? Ah bah ça, il faut demander à Capone. C'est moi, moi qui en ai remis, hein, parce que j'ai, comme il fallait beaucoup de charbon d'avance, ah, ça allait. Ce qui me semblait qu'on l'avait viré, donc je comprenais plus. Alors, j'en ai remis un pour... Bah, t'as vu, il y avait du stock du charbon, et puis même la fonte de tout ce que j'ai fondu, ça suivait pas le charbon. La forêt que j'ai montée derrière, elle a dû tomber 5 fois, hein, déjà. Ah ouais? 5 fois je l'ai fait tomber, 5 fois elle a repoussé. Là, bah, ça repousse. Il y a des graines de carottes. Je vais fumer... Enfin, je fais une petite pause, j'arrive dans 2 minutes. À tout de suite. C'est mal fumé. Non, mais c'est oui. Pour ça que j'ai pas fini mon mot. Ça se dit pas. C'est pas bien. Ouais, c'est pas fumais-tu. Bien. Fumais-tu, pétais-tu. On a cru entendre madame. Vous avez bien entendu madame. Mais bonsoir madame. Comment on va bonsoir madame. Ils te disent bonsoir. Le stream en direct te dit bonsoir, il y a 520 personnes qui te regardent. Oh, 520 000 en route pour le million de viewers. Qu'est-ce qu'on va goupiller après, parce que là du coup, à part ramener du fer. Ah ben on est prêt pour le boss suivant. Ben, limite on pourrait prendre le bateau et faire la route pour voir ce qui quel dur il est. Hein. Ouais mais ça fait déjà 1h54 là qu'on est. Ouais. Oui c'est vrai. Ouais. Ça va faire un peu court parce qu'il y a quand même une belle traversée. Alors pour l'étoile 5, qu'est-ce qui manque? Attends, tu t'es en train de faire quoi niveau 5? Non, j'ai encore rien fait, je regarde. Ah, tu regardes ce qu'il faut pour le... pour monter l'établi en niveau 5? Ouais. Termine. Tablette de pierre. Souffle de forge. Enclume. Enclume de forge, ça tu l'as fait. Alors, il reste leur atelier de forge. 10 fers, non 15 fers et 10 bois. Ouais, il est un peu cher. Pour au final... Bah ouais. 15 de fer. C'est un peu cher. Parce que finalement... Notre armure coûte plus cher. Oui. Mais là, il s'agit juste d'améliorer la table de fabrication qui va permettre... qui va pas permettre... Ouais. Qui va permettre d'améliorer quoi de très utile aujourd'hui? Bah, notre équipement. Ah, aujourd'hui. Notre équipement, il se fait à la forge majoritairement. Ouais, mais c'est un truc pour la forge. Hein? Non, c'est pour c'est le... pour la forge. C'est pas pour la table pour de la fabrication? Forge. T'es sûr que c'est pas pour la table de fabrication? C'est marqué forge, donc moi j'en ai conclu que... Attends... Ah oui, forge amélioration, pardon, oui, c'est ça demande la table de fabrication pour le faire. C'est une amélioration pour la forge. Autant pour moi. Bah, le soufflet est plus facile à faire, il n'y a besoin que de 4 chaînes et on les a déjà. On l'a pas encore fait. Ah, on l'a... vous l'avez pas encore fait? Non, non, moi j'ai mis le... J'ai mis la roue, là. La meule. Et les chaînes, on les a, donc on peut faire le soufflet. Chaîne et pot de serre. Ouais, c'est ça, il manque plus que le soufflet pour améliorer encore. Bah, ah, il manque aussi le... Là, on a un atelier niveau 5 ici. C'est où, chaîne? Tu les as pris? Pas. Les chaînes là-haut. Je prends les lingots. Eau de serre, bois. Eau de serre. Eau de troll. Eau de serre. C'est 20, ok.
Alors. Je veux bien, mais il se met où ? Faites-vous de l'arc de chasse aussi. L'arc de chasse ? Ouais, il se fait où ? Bien meilleur. Alors, je vois pas comment placer le soufflet. Alors, mais il faut 20 fers, hein. Et on en a pas encore. Mais c'est sur le mur, le soufflet, normalement. Ah. Sur un mur. C'est au sol. C'est devant le feu, quoi. Enfin, c'est au niveau de l'atelier, c'est une amélioration comme nous. T'as les 20 fers ? Je peux pas le placer, le soufflet de forge. Ça doit fondre, donc. Le soufflet de forge, je peux pas le placer, là. T'as bien tes 20 lingots ? Pour ? C'est combien le soufflet de forge ? C'est 5 de bois, 5 pots de serre, 4 chaînes. Mais il est en rouge. Non, il faut qu'il soit collé haut. Il faut qu'il soit collé à l'atelier, peut-être. Oh. Ah oui, du coup, il y a un micro spot dans lequel il va passer. Sinon, j'enlève le petit machin qui est juste à gauche. Là. Non, c'est bon, ça passe. Ça passe. Voilà. Forge niveau 6. Yes. Bravo. Ah oui, c'était le bouclier bandé dont je parlais, Xian, pas l'écu en fer. Le bouclier bandé, il est bien. Et sinon, après, il y a l'arc de chasse qu'il vous faut. L'arc de chasse. Oui, mais il faut 20 de fer. Par arc. Ouais, tiens, j'en ai 13, moi, là. T'as déjà. Moi, j'ai déjà toi. Oui, j'ai tout fait. Donc là, il en faudrait deux. Tiens. Je me suis fait l'arc. J'ai ça. Non, j'en ai plus pour l'instant. J'ai le fond. Je n'occupe pas le fond. Il y en a du fondu là déjà. Hein. Ah, tu vois, hein. Toi aussi, tu bloques. Mais il faut pas passer. Il n'y a pas besoin de passer. Oui, Capone, on sait. Faut juste se mettre là. C'est simplement qu'il y a un défaut de construction, sûrement. On se demande qui c'est l'architecte. 10 de bois, 10 plumes. Et bouge. 10 de bois. On a des plumes dans un coffre avec marqué plumes. 55, oui. Là, j'ai plus de... Un petit dodo, comme ça le fer il sera fondu. Ouais, attendez-moi, je fais mon... Ouais, il y a la massue en fer aussi. L'épée en fer aussi. La massue, c'est ce que j'ai refait moi, c'est ce que j'utilisais en bronze. Attends, pourquoi... Ah, c'est du bois précieux, j'ai pris 10 de bois, pas 10 de bois précieux. Allez, au dodo. Oui, bah... Je prends mon bois précieux. Allez, viens te coucher, Diane. On va pas l'attendre ce soir. Couchez-vous tous les deux, je suis pas jaloux. Arc de chasse. Ouais. Et l'arc de chasse, oh, pour l'améliorer par contre, bonjour. Bah. Ça coûte cher pour l'améliorer. Attendez la suite. Je l'ai au niveau 3, là, il m'a coûté cher. Ouais, mais on a mis tout en fer. Sacré cher dégâts, n'importe quoi. Les sacrés dégâts. Ouais. Là, j'ai la massue niveau 2, la hache niveau 2, le bouclier bandé niveau 2. Là, moi j'ai monté la hache niveau 3 parce que c'est mon arme principale, la hache. Je suis à 59 d'armure avec tout au niveau 3 sauf le casque au niveau 4. Ah, moi j'ai pas le casque niveau 4, je suis qu'à 57. Allez. Ah, moi 55. 59 là, on a 59, j'ai gagné 20 points par rapport à l'armure de bronze. Je te dis pas dormir avec une armure pareille. Ah, mais on est viking ou on l'est pas.
Ouais, mais j'imagine. Allez, le premier qui arrive, il se serre en vélo. Oh, c'est pas grave, moi j'ai encore des minerais sur moi, je peux les faire fondre. Donne tes lingots. Il y en avait que 10. Non mais attends, si vous avez besoin... Non, j'en avais mis 4. Non, moi c'est... Honnêtement, je pense que je vais pas améliorer tout de suite, il en faut beaucoup, beaucoup plus. Moi j'ai pas l'arc, de toute façon. J'irais bien essayer ce nouvel équipement contre quelque chose de pas trop gros, un troll ou quelque chose comme ça. Quoi, tu crois qu'il y a plus gros qu'un troll? Non mais pas trop gros, je veux dire pas trop compliqué à battre. J'ai déjà coupé du bois. L'arc, qu'est-ce qu'il me faut? Tiens, il y a 14 lingots dans le coffre de fer. Précieux, 20. Faut que je fasse des flèches. Plus que deux. Ah oui, en termes de flèches aussi, ça. T'as trouvé des flèches? Ouais, tiens, dans les cryptes aussi. Dans celui où il n'y a pas de nom. Ah, des flèches en fer? Waouh! Dans les cryptes, j'en ai pas mal noté. Ah ouais! Qu'est-ce que ça demande, les flèches en fer? Voilà. J'imagine que ça demande du fer. Flèche en. Ah, il faut le faire à la forge? Flèche en fer. Un de fer et deux plumes, ok. Le bouclier bandé est mieux que celui que j'ai? Mais à peine. Enfin, c'est un tout petit peu mieux. Et le coffre au-dessus de piastre, s'il y a des flèches, c'est des flèches empoisonnées et des flèches de feu. Ah, bon à savoir. Parce que... Assez pour faire Le bouclier est bandé par contre alors pour l'arc il faut quoi encore? J'ai encore deux lingots pour toi, Xan, je peux les envoyer. Non ça va, c'est je regarde ce qui manque. Les plumes et le cerf. T'avais dit que c'était sur le celui qui était au-dessus de quoi qu'il y avait les flèches. Ah. Flèche de feu, je veux bien ça. Rien à fondre. Arc de chasse. Voilà. Faire un peu farm. Farm, ça. Ouais. Mais même du bois, il n'y a plus de bois. Quasiment. Je vais essayer ma nouvelle hache. Il y a une forêt qui t'attend. Exactement. Il y en a encore un peu à fond. Pas manger un morceau pour aller couper du bois. Tu sais, on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises. Hein. Avec le marais qui attaque ou autre chose. Ouais, c'est pas faux. Tiens, j'ai pas regardé s'il y avait une recette avec la viande de serpent. T'as regardé? Non, j'ai pas vu. Alors, soit il nous manque un truc qu'on n'a pas. Je sais qu'il y a un ragoût. Enfin, je sais qu'il existe un ragoût. Et là, il a pas. Vous pouvez passer la viande? Un peu le serpent? Ouais. Ouais, ça se grille directement. Ah, mais non, mais t'as une recette de ragoût de serpent qui. Tu peux m'en passer une? Ah, ça y est. Il est dans le coffre, hein. Bouge pas. Ouais, il y en a. Dans viande crue. Ok. Mais il faudrait regarder sur le wiki ce qu'il faut pour le ragoût. Est-ce que c'est de la viande grillée que tu fais en ragoût ou est-ce que c'est. De toute façon, le wiki. Enfin, oui. Oui. J'en fais griller un pour voir et puis. Alors déjà si ça nous donne quelque chose, ça se trouve c'est avec du brillé qu'on va avoir la recette. Oui. Oui, c'est pour ça que je disais que je serais de regarder sur le site. Ouais. Mais vas-y, on teste. On va voir ce que ça donne. En nutriments. Ah mais en fait, il y en a qui tapent des arbres, mais qui les. Qui les récolte pas. Des fois je les tape mais j'arrive à 450 de poids, je peux plus ramasser. Mais...
Ça, c'est des morceaux de steak. Fleur de serpent cuite. C'est un sacré steak. Hein. Soupe de serpent, c'est champignon de serpent cuite et miel. Tu peux le passer ? Ouais, bah, mettez-le dans le coffre, j'irai le prendre aussi. 80 de vie et 80 d'endurance. Regarde le temps. Passe-le nous d'abord. Regarde le temps. Regarde le temps que ça dure la soupe en question. 2400 secondes. Ok. C'est énorme. Et 4 HP par tick. Ouais, alors imagine quand vous aurez les. Les locks. Ah bah. Elle est où la zone cuite ? Ah bah dans le coffre. Parce qu'il avait dit de le mettre dans le coffre. Non, mais je sais, là dans le coffre, je vais aller la voir après. Ouais, bah je brille tous les autres qu'on a. Et puis on prépare de la soupe. Oh, tous. Ah, je crois qu'il y en a que. Ah bon ? Ah, j'en avais. Ah, t'en avais chopé aussi en sautant à l'eau ? Ouais. On va pouvoir faire 6 soupes de poisson. Par contre, je crois que j'ai lu que ça repopait pas les serpents. Ah. Si on en trouve un endroit, on... ça veut pas dire qu'il y en aura toujours un qui en fera. Ah oui, d'accord, on aura d'autres occasions d'en trouver. Pour en trouver d'autres ailleurs, mais. Là, ah, 440. C'était le temps de venir voir avant que ça crame sur le barbecue la place que ça prend. Non, j'ai déjà vu, ouais, t'inquiète. Ouais, d'accord. C'est. Surtout la vue comment c'est positionné les barbecues, ça doit faire. C'est imposant comme machin. Bon, c'est une autre raison pour farmer du champignon rouge. Oui. C'est pour moi c'est les plus durs à trouver. Les jaunes c'est facile, ouais. Les rouges, on n'en voit pas souvent. Tout à l'heure, on en a trouvé dans les marais. Bon, là, on en a encore 58 d'avance. Moi, ce que je vais utiliser là. Soupe de serpent. Ah ouais, mais c'est... Pourquoi j'en ai fait que 4? C'est 2 morceaux de serpent. Qu'est-ce que je pouvais upgrader moi du coup? Non, c'est ça, ouais, j'ai fait 4 soupes de serpent. Je les mets dans le coffre soupe. Si vous voulez juste les regarder. Ah, mais il restait du. Il semblait qu'on avait tout mis en ferraille dans le. Il reste un peu de ferraille à fond, je crois. Oh ouais, ben je croyais qu'on avait tout mis, mais en fait il en restait. Je te laisse donc un serpent cuit sans être mis en soupe. Ouais. Et puis après, t'as les soupes qui sont prêtes dans le coffre soupe. Je relance une charge de charbon. Pour refermer du feu. Ouais, il en faut beaucoup, comme j'avais dit. C'est énorme, parce qu'il y avait 180. Ouais, ouais. Il y avait 180 lingots plus, je sais pas, 120. Sans vaincre, ça faisait 300 lingots. On a utilisé quasiment 300 lingots en un quart d'heure. Ouais. Alors j'en ai un tout petit peu sur moi là. Enfin, j'en ai 22 sur moi. Mais je regardais ce qu'il nous restait à. Ce qui me restait à upgrader, ce qu'il nous reste à faire. 3 tenues complètes plus au moins une arme chacun. Là, ça nous fait 500 lingots. Bon, par contre, pour réparer, vous ne pourrez plus réparer dans la maison. Il va falloir venir dans l'atelier. Les armes en fer, on peut les. Il faut être niveau étoile 2 au moins. Regarde sur la. Quand tu regardes pour la réparation, l'étoile, combien d'étoiles il faut?
Ah ouais. C'est marqué. Indiqué qu'est-ce qu'il faut pour le réparer. Ah ouais. Vous voyez ? Quand tu regardes, quand tu mets ton curseur sur l'arme ou l'armure. Qualité. Niveau de la station de réparation de. D'accord, ok. Bah, il faut voilà, ça, c'est l'étoile. C'est les, le nombre d'étoiles. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à une forge facilement pour la mettre à niveau 2 ? Bah, ici, de toute façon. Pour la mettre à niveau 2, il nous faudrait rajouter, je sais pas, un truc simple, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Pas cher pour faire une forge améliorée. Il manque une 5 bois de bronze. Il reste du bronze 21. Ouais, 5 bois et de bronze, mais faut y aller à... faut y aller en bateau, quoi. C'est ça. Non, t'as le souffle... non. Le... non, non, le soufflet ça coûte moins cher. Regarde le soufflet, ça coûte rien. Ah non, il coûte des chaînes. Pardon. Ah mais les chaînes elles sont TP. On peut les TP. Ouais, on peut les TP les chaînes. On peut les téléporter. Ah oui. Oui donc c'est plus. Ça coûte moins cher. C'était le coffre vide d'ailleurs les chaînes, je les avais toujours sur moi. Là-haut, non, non, c'est là-haut, chez votre chaîne, sous dispositif. En face. Ah, pardon. Parce que là il reste 13 chaînes, hein. on peut très bien mettre un soufflet là. Voilà. On va mettre un soufflet donc à l'avant-poste du marais. Et c'est bien parce que vous avez vu que l'avant-poste ça peut être l'avant-poste du marais et l'avant-poste de la plaine en même temps. Ouais, effectivement. On va tester. Mais de toute façon on a d'abord l'avant-poste de la montagne du côté de l'aîné. Ah oui, en fait, il est où Non, pas l'aîné, mais Mazdos. Mazdos, il est loin. C'est pour ça, quand j'avais dit est-ce qu'on irait voir faire le chemin jusque là-bas, on va pas le faire ce soir. Je pense qu'on le fera au prochain épisode qui devrait être peut-être mercredi, si... Mercredi. Bonne masse, ouais, c'est ça. C'est dans quel biome qu'il a une bonne masse, du coup ? Mistland. Je sais pas ce que c'est en français. Mistland, dans l'ordre c'est Mistland, puis montagne, puis plaine. Si je me souviens son nom. Est-ce que le boss d'après il s'appelle comment ? C'est Diablo ? C'est pas le dragon ? Le boss d'après ? Krador ou je sais pas quoi ? Parce qu'il y a. Ouais, il y a. Je sais pas, je vois Diablo quand. J'ai pas les infos sous les yeux. Ah il ouais, y a un qui est dans la montagne, c'est Krader ou quelque chose comme ça, et il y a Yadlou qui est dans la plaine. Ah oui, mais donc la plaine, c'est après la montagne. Ouais, donc ce serait le dragon avant. Et Yadlou, ce serait le dragon. Donc là, ce serait montagne, et on va se choper, on va se faire des loups. Ah, il est là. Alors, faut que j'aille voir le bout de viande, du coup. On pourra essayer de se choper. Il est où le bout de viande ? Dans la viande cuite. Ah oui, il fallait qu'il soit cuit, je regardais dans cru. Soupe de serpent, youpi. Les soupes sont dans le coffre des soupes, côté bouffe cuite. Ouais. Je crois qu'au niveau miel, on est bien rempli. Au niveau miel, on est pas. On a 437. Et soupe. Découvert, soupe de serpent. Du coup, sur l'île où on était arrivé avant, la première île, où on a été faire le boss, il y avait une montagne au milieu. Ouais. Et c'est une toute petite montagne, à mon avis, il n'y a pas le boss de la montagne. Par contre, ça fait un terrain d'entraînement pour la montagne, ouais. Pour après. Non, ça peut être un terrain d'entraînement. Parce qu'en montagne, il y a des loups, il y a des loups-garous. Il y a peut-être des cryptes qui repassent sur cette petite partie-là. Il y a des golems.
Oui. Ah, il est fini celui-là. Enfin bon, il y a des trucs à faire. C'est des... Je suis en train de réaliser là les piliers ici, c'est des piliers en bois dur ou je sais pas quoi. Les 4 mètres. Robuste, oui. Robuste. Oui, pardon. Ici à l'atelier, ouais, c'est les 4 mètres, j'ai dit. C'est quand même beau. Ah. Sauf que t'avais vu qu'il y en a un qui est pas aligné. Ah, c'est possible. Hein. J'ai un peu galéré pour un certain moment. Je veux dire, c'est quand même une belle architecture, et puis en faisant ça, je vois le truc qui est. qui est pas ben droit. C'est où ça? Okay. C'est celui. Celui qui est à ta gauche, que... là. Celui du milieu. Non, il faut que, faut que j'essaye le troll. Ah, si tu regardes en haut, il est pas. Ouais, ouais, c'est pas lui. Il faut que j'essaye un troll pour voir comment je peux le parer. Bah écoute, on essaie de se. Il a repopé le troll à côté, je voulais l'essayer aussi avec. Avec le nouvel arc. Est-ce qu'on pourrait essayer de réfléchir à comment on fait le hub maintenant qu'on voit qu'on a la tête ? Ah, c'est compliqué. Oh là 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 là, réfléchir. Oui, 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 tu demandes l'impensable. Est-ce que le hub tel qu'il est... Si tel qu'il est, c'est bien, on fait juste... J'arrive pas à ramasser le morceau de fer, là. Le hub tel qu'il est, il est pas mal. Il suffirait juste de mettre les murs autour, non ? Ouais, de faire la même chose en pierre. Enfin, faire un beau truc en pierre, je pensais. Ah, alors je pense dans un premier temps mettre un mur en pierre autour et ensuite petit à petit il n'y a pas de troll. Alors, il y en a peut-être un peu plus loin vers le sud-est. Il y a soit celui-là, soit un vers le sud-est. Ah si, il est là-bas, j'ai pu le voir au fond. Et je le vois parti dans les nuages, il me semble l'avoir vu au fond. Tout droit au fond. Ah non, c'est un caillou. C'est gros aussi, mais c'est pas tout à fait pareil. C'est un caillou que j'ai vu. On va aller dedans, on va voir si on a trouvé. Sinon on va sur la map de l'ennemi et puis en même temps on essaie de trouver un troll et puis en même temps on essaie de faire un petit tour. Oh, c'était surtout histoire de faire un truc rapide parce que là ça fait 2h20 qu'on est dessus. Moi je vais pas trop traîner. Alors après si vous voulez vous amuser avec un troll, continuez de vous amuser avec un troll ou avec autre chose. Vous voulez faire un petit tour à l'entrée de la montagne qui est juste à côté du portail de l'ennemi. Ah, on peut regarder quelles sont les bestioles qui vont popper. Ça prend pas longtemps. C'est pas trop dangereux. Non. Ah, c'est pas trop dangereux. Disons que c'est suffisamment proche de chez nous pour qu'on puisse soit revenir en courant. Ouais. Il y a un troll, il est dans l'équipe. Il est belge le troll, c'est ça, XK. Bien vu, XK, bien vu. Du coup. Alors, si vous repartez derrière, pensez à vous prendre une clé. Ah oui, ma clé, j'en ai foutu. Je crois que je l'ai laissée sur le solo. Mais... Ouais, j'ai dû la laisser sur mon solo. Quand j'ai fait mon transfert à la matos, je l'ai laissée là-bas pour faire de la place. Ah, moins que. Je crois que j'avais posé des trucs dans un coffre ici. Je m'étais fait de la place ici, dans ce coffre-là, je crois. Je vais faire des bois. Alors, les mouettes, ça donne que des plumes, ça donne pas de la viande de mouette, c'est quand même dommage. Dommage. Ça doit être bon, les mouettes. Ah, ouais, c'est comme un pigeon. Hein. Ah, ouais. Pas beaucoup en plus. Donc vous voulez qu'on fasse ça rapidement ?
Ah, on va aller voir au pied de la montagne s'il y a quelque chose qui peut. Moi, je monte pas dans la montagne. Il y a du bois là, il faut que je m'en fasse quelques flèches. Ouais, j'en ai ramené. Pourquoi tu montes pas dans la montagne? J'ai pas envie de crever de froid. Ah non, mais on va au pied de la montagne, on va pas plus loin. Et pour avoir une tenue contre le froid, il faut tuer des loups, pour tuer des loups, il faut aller dans la montagne. Il y a XK qui dit qu'on devrait te mettre en cuisinier, Xian, parce que comme t'es belge, tu pourrais nous faire de la bonne bière et des bonnes frites. Maintenant, je sais que Xian, il fait des frites avec une machine qui fait des frites avec une cuillère d'huile. T'as les flèches en fer, du coup? Ouais, c'est moi qui les ai. T'en veux? Non, c'est bon, non. C'est pour savoir qu'elles servent. On fait dodo et puis on part chez l'aîné. Xian, ça te va? Ouais, attends, je suis occupé à réaménager ici. Ouais, je le ferai plus tard. On va pas y aménager. L'aîné. Quoi, vous allez faire l'aîné? Non. Sur l'île de l'aîné, tu sais que notre camp de base de l'île de l'aîné, enfin notre avant-poste de l'île de l'aîné. Il y avait juste une petite montagne à côté. Mm-hmm. Donc on va aller au pied de la montagne, voir s'il n'y a pas 2-3 bestiaux à tuer. Vraiment au pied de la montagne, hein, sans rentrer trop, pour pouvoir revenir en courant très vite, comme des pleutres. Alors, Excel, je comprends pas. Tu veux qu'on mette Xian en cuisine dans Valheim? C'est-à-dire que tu veux qu'on le coupe en rondelles et qu'on le mange dans Valheim? C'est pas... Je pense qu'il est plus... Il vaut mieux qu'on s'en serve pour... Il faut prendre de l'antipoison avant. Alors, dans la montagne, il n'y a pas de truc antipoison, c'est le froid. Non, c'est avant de te manger, je parle. Si on te fait tuer. Ah oui, ça oui. Voilà. Bon, tu viens de coucher, Xian? On t'attend, Xian. Tu viens de rejoindre? Viens te mettre entre nous deux. Viens faire de deux. C'est de l'autre côté ton lit. Il a peur de se mettre à côté de moi, je crois. Il est tout mouillé. Il transpire, il n'est qu'à te voir. Je crois qu'il vient de dehors surtout. Il a plus envie de se mettre à côté de moi, t'as vu? Mais je t'ai fait mal la dernière fois. On t'entend plus, Diane. J'ai fait un rêve où je prends encore une fois la tête de mon groupe de guerriers. Alors, au figuré, je pense que ouais. C'est ça le rôle d'un chef. Tu prends la tête d'un groupe de guerriers, je sais pas, mais tu prends la tête, vas-y. Oui, c'est ça. Peut-être manger un bout. Oh, ça va, j'ai 3 soupes, 2 confiottes, 15 saucisses. Allez, go. Fonce à fonce. Ah, c'est juste un test, hein. Ouais, de toute façon, moi, dans 5 minutes... dans 5 minutes, je vous abandonne lâchement. Je sens qu'on va se faire... Ah, mais moi, je vais aller dormir, après. Aîné. Ouais, XK, je leur prends la tête. La tête d'un groupe ou à un groupe, c'est pas pareil, hein. C'est vrai. Peut-être les deux. T'es où, Capone? Je suis là. Oui, pardon, excuse-moi. J'ai vu Xian derrière et puis je te voyais pas. Un petit coup d'Ektir ou bien? Allez, je vous le fais. Ce sera plus pratique pour venir en courant. Attention, il y a les sangliers de la montagne. Je crois que c'est comme les sangliers de la montagne. Là, il y a de la neige. Il y a des biches de la montagne, attention.
Est-ce qu'il nous annonce le biome? Non. Montagne, ça y est. Montagne. Alors on devrait avoir normalement les premiers ennemis au bord. Hein. Parce que quand on arrive dans le marais, d'habitude, je les entends en quelque chose. Vous gelez par contre. Ouais. Non, là je si, ça y est, en train de geler. Ah, ça y est. Incroyable. Ah bah non. Yes, je peux le parer. Yes. Ouais, mais si les autres s'y mettent... Ouais, dès qu'on arrive, c'est rongé, là. Ouais. Donc là, il faudra les potions de... Les potions de résistance au froid. Il m'en a qu'on peut en faire, en plus, je suis content. Ah, il y a du loup. Attention, j'en entends. Ouais. Hein. Et il y en a un qui t'attaque, ouais. Où ça? Ah oui. Costaud ou pas? Ouais. Ouh, peau de loup, lit dragon, tapis de loup. Ah yes. Vas-y, on redescend au chaud. Tu vas nous partager ça. Mais je suis pas dans le froid, là. Moi non plus, on marque, ouais. Faut vraiment rester au bas de la montagne. Partage ta peau de loup. Pardon. Ah non, oui. Tac. Ouh, il bouge pas, croc de loup. Voilà. Oh, croc de loup. Xian, t'es où? Xian. Ouais, j'arrive. Il est en Belgique, je crois. Prends ça. Dépôt de cuivre. Merci. Pierre. Loulou. Je pense que je vais geler par là. Donc avec ce boubou, je peux les parer. Je suis content. Je gèle. Et en fait, quand tu te mets à geler, il faut un moment pour arrêter de geler. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Ah, je gèle pas. En fait, quand tu te mets à geler, t'as beau revenir, c'est pas immédiat, quoi. Tu continues de geler pendant un moment. Ça fait quoi? Ah oui, la vie, elle descend en direct. Deux points par... Un point par un point. Un point par tic. Ouais. Alors, j'ai un peu de myrtille. Mais ouais, c'est pas... Réaction. Ah, il y a un spot de cuivre ici. Ouais, je l'avais vu. Je l'ai vu tout à l'heure. Est-ce qu'on a réellement besoin de spot de cuivre aussi loin? Toujours la même question. Surtout que maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le fer. Le cuivre, on aura besoin. Alors, vous êtes content? Vous avez eu votre moment de froid? Bon, on est promis, Attends, il y a XK qui nous a dit Loulou. Oui, c'est moi. Ah, mais si, oui. Pardon. Autant pour moi, on m'a dit de venir. On m'a pas dit de venir avec des bagages. Pourquoi il fallait que j'en prenne? J'ai pas compris. XK, tout à l'heure, j'ai dit au loup, je lui ai dit Loulou, Loulou. Et il a dit Loulou, oui, c'est moi. Dans la cité de la peur, quand attendent à l'aéroport... C'est gay. Odile de à l'aéroport, c'est ça. Odile de Ray qui attend avec des panneaux Odile, Alt Odile, tout ça. Après, il y a un mec qui attend sa nana avec un panneau Loulou. Loulou, Loulou. Il y en a qui... Oui, c'est moi. Et hop, ils partent ensemble. Oui, et voilà, c'était tout. Du coup, il... D'accord. J'avais pas percuté que c'était la citation de ça. Ouais, il va falloir faire de la potion. Ah, c'était Cacharel, d'accord. Ah oui, là c'est...
Moi, je connais que, du coup, l'interprétation par les nuls. Enfin bon. Bon, messieurs, je sais pas si vous voulez continuer encore, mais moi, je vais rentrer à la maison pour aller dodo. Moi aussi. Ok. Enfin, allez, dodo. On va te raccompagner. Je rentre par le portail, je vais m'asseoir dans la... dans le hall. Je vous laisserai ranger les peaux de loup comme il faut. Alors, un truc sur le hub de portail, ça serait peut-être... On peut prendre les portails en sens inverse? Genre rentrer par l'arrière du portail? Non. Non? Vraiment rentrer par devant? Non. C'est toi qui me l'as dit, d'ailleurs. Non, on en sort par devant, ça c'est sûr. Et rentrer par devant... Je crois pas qu'on puisse rentrer par devant. Il me semblait, avec Diane, qu'on pouvait rentrer par derrière. Avec moi, non. Ça marche pas. Non, voilà. Non, mais plus sérieusement, c'est, je me disais si on pouvait les prendre dans le... Enfin, rentrer par le mauvais côté. Je suis sérieux. D'accord. Mais dans ce cas, ouais. Sinon, j'aurais dit qu'on aurait pu déplacer la table de fabrication pour la mettre sur un côté plutôt. Enfin. Bon, en tout cas, les gars, moi, je vais aller faire dodo. Je vais vous souhaiter bonne... Bonne nuit, je sais pas où. Ah bah, je vois que t'es dans le portail, Xian. Ouais, on arrive. Dans le premier portail. Parce que là, tu vois, quand tu sors du portail, il faut faire le tour. Ah, c'est pour ça que tu parlais d'aller par l'arrière. Voilà. T'aimes pas faire des détours. Bah. C'est pas. Mon activité principale dans la vie, de faire des détours. Est-ce que je peux atteindre les fruits d'ici? Ouais. Elle est pas mal posée, cette table. Je peux atteindre des coffres. Enfin. Bah, du coup, merci Xian, merci XK. Merci Xian, merci Capo, plutôt, je voulais dire, et merci XK d'avoir regardé. Il est temps que j'aille me coucher. Tu vois, XK, tu manques. Donc oui. Tu vois, il y a aussi un lien spécial avec toi, XK. Il est là presque tous les jours, XK, si c'est pas tous les jours. Voilà, c'est un petit lien qui se crée. Hein. Ouais. Enfin. Regarde, Capone, maintenant, il commence à s'approcher de moi. C'est toi qui a changé de lit pour te mettre plus près de moi. En plus, c'est toi qui te rapproches de lui. Enfin bon, allez, merci à tous. Et puis, retour mercredi soir sur Valheim. Demain soir, Station Years, on va essayer de faire marcher pour de bon cette fusée, parce que là, elle marche qu'à moitié. Qu'elle marche complètement, avec le retour automatique. Et après... Et XK n'a toujours pas... Et XK n'a toujours pas quoi ? N'a toujours pas le jeu ? Je t'ai interrompu, vas-y. Et puis après, je pense que sur Station Years, il ne me restera vraiment pas grand-chose avant de monter la fusée et de stocker tout ce qu'il faudra pour partir sur Europe ou autre. Je referai le sondage à ce moment-là. Ok. Europe ou Vulcain, c'est ça ? Europe ou Vénus, ou ceinture d'astéroïdes, mais j'ai préférence pour Europe. Bon, allez, ciao à tous, bonne fin de soirée. Ciao. Bye bye. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit tout le monde.